bonsoir à tous. C'est vraiment une très grande joie de vous retrouver plus de 5 ans après notre rencontre avec Étienne Chouard ici même, en décembre 2011. On était en pleine crise de l'euro. Nous nous étions concentrés sur qu'est-ce qui se passe dans vraiment les coulisses de la finance à ce moment-là. On avait parlé des hedge funds, des fonds spéculatifs qui avaient vraiment agi pour couler les dettes de certains pays qui sont petits, qui sont vulnérables et dont la dette est cotée sur le marché des capitaux. Dès lors, on peut spéculer dessus, on peut faire monter les taux d'intérêt de ces pays en faisant baisser la valeur de cette dette. Et donc, le pays se trouve dans une situation de strangulation financière, ce qui lui impose une austérité. Donc, cette démonstration de comment la spéculation sur le marché des capitaux peut mener à des politiques d'austérité et redistribuer de la richesse de l'État vers les spéculateurs sur la dette d'État. Je pense qu'on avait beaucoup passé de temps dessus. On avait aussi eu toutes les solutions de gouvernance proposées par Étienne Chouard qui ont un énorme écho en France et au-delà, par rapport au tirage au sort, notamment, sur lequel on va un petit peu revenir encore ce soir, mais on va aussi parler de la finance, du nouveau visage de la finance aujourd'hui. On va parler des politiques monétaires des banques centrales, à quoi elles nous mènent, comment elles dirigent aujourd'hui vraiment les économies. Les gouvernements ont démissionné et c'est les banques centrales qui ont pris la relève depuis plusieurs années, depuis 2008. On va discuter avec Étienne, est-ce qu'il faut réguler les marchés financiers ou est-ce qu'il existe vraiment quelque chose qui relève de l'autorégulation, de la main invisible et qu'on peut vraiment laisser les marchés se réguler eux-mêmes ou pas. On va aussi parler des questions de monnaie, comment sortir du monopole monétaire tenu par les banques centrales et les émissions, les émetteurs de monnaie. On va parler de protectionnisme et aussi du sujet d'Étienne qui est l'élection et le faux suffrage universel et la complexité aussi de participer à un processus démocratique. Ça, j'aimerais entendre aussi beaucoup Étienne dessus. Et on va finir par le populisme et le lobbyisme, deux facettes d'un même processus. On commence avec le populisme. Le populisme vient tout pouvoir. Il est retouché, édité, édulcoré par le lobbyisme. Comment est-ce qu'on s'en sort avec tout ça? Vaste programme, on ne va peut-être pas réussir à tout couvrir, mais moi, j'aimerais vous demander aujourd'hui, est-ce que vous pensez, Étienne, est-ce que vous pensez que la finance, depuis 2008, a été réformée après toutes les promesses qui avaient été faites? Réformer en français, ça veut dire améliorer. Pas au sens du protestantisme, je pensais pas, mais au sens. Mais. Est-ce qu'elle a été réglementée? Est-ce qu'elle a été corrigée? Pas du tout. Merci. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, comme les gens de la finance ont réussi par le mécanisme de l'élection, du faux suffrage universel, ont réussi à prendre le pouvoir d'écrire les lois. Ils n'ont pas perdu ce pouvoir, ils n'ont pas perdu cette procédure, et donc ils continuent à désigner les acteurs. Et donc quand Hollande, chez nous, dit « mon ennemi, c'est la finance », alors que c'est la finance qui a pris le contrôle des médias. Il y a un des livres que j'ai apporté, je vais en parler très brièvement, mais c'est juste pour les évoquer, comme ça me sert d'aide-mémoire. Le bouquin de Mauduit, Main basse sur l'information, qui nous explique, c'est un énième, il y en a plusieurs des bouquins sur la question. C'est absolument central, puisque c'est lié à la malfaisance des plus puissants par rapport au bien commun. S'ils arrivent à gagner les élections, c'est parce qu'ils ont acheté tous les journaux. Tous les journaux français appartiennent à 9 à ou 10 milliardaires. Voilà. Oui. Des milliardaires, c'est des personnes physiques. Oui, tout à fait. Et donc non, ça n'a pas été réformé. Alors, de même, exactement, ça n'a pas du tout été réformé. De même, au Congrès américain, le lobbying a fait que la réglementation de la finance n'a pas pu atteindre son but. Donc, effectivement, comme le dit Étienne Chouard, pas du tout de réforme, mais une spéculation qui a en fait pris beaucoup plus d'ampleur. On va expliquer comment. Alors, écrit un livre qui s'appelle « La finance de l'ombre a pris le contrôle ». Il est sorti en février dernier, il y a une année. Et dans le fond, ce qui se passe, c'est que les banques ont été régulées. Bon, il y a eu une loi assez importante aux États-Unis, le Dodd-Frank Act, qui voulait vraiment empêcher les banques de spéculer avec leur propre argent, sur leur propre bilan, de faire du trading pour compte propre et de acheter et vendre à la baisse
et faire baisser le cours des actions de manière brutale. Toutes les pratiques spéculatives qui sont décrites dans ce livre sur plusieurs chapitres, donc je m'embrouille un peu tellement il y a des pratiques différentes dans lesquelles je ne vais pas rentrer et devenir trop technique, mais dans le fond, les banques ont été un peu corsetées. Voilà. Elles ne peuvent pas faire plein de choses, mais où est-ce que ça se passe aujourd'hui? Ça se passe ailleurs que dans les banques. C'est-à-dire qu'il y a une migration des banques vers l'univers de non bancaire, les services financiers non bancaires qu'on appelle la finance de l'ombre. Je vais m'attarder quelques minutes là-dessus. Qu'est-ce que la finance de l'ombre? La finance de l'ombre, c'est tous les prestataires de services financiers non bancaires. Par exemple, des fonds spéculatifs, sociétés financières qui sont des négociants, des brokers, des courtiers, des prêteurs de titres, des sociétés de leasing, des sociétés de prêts hypothécaires, notamment en ligne aussi. Les sociétés de finance en ligne ont explosé, ce n'est pas pour rien. Ces sociétés-là ne sont pas soumises aux garanties bancaires habituelles. Et donc, aujourd'hui, vous avez une énorme part du crédit qui est fait en dehors des banques. Alors, on n'a pas progressé parce que les régulateurs, si vous voulez, ont réglementé les banques, mais ils ont laissé cette zone de non-droit se développer à tel point qu'aujourd'hui, on a 80 000 milliards de dollars qui sont des crédits faits à des entreprises ou à des particuliers sous forme de crédits de consommation ou d'hypothèques qui ne sont pas du tout soumis aux garanties bancaires habituelles parce qu'ils sont faits par des sociétés de leasing, des agences hypothécaires, etc. Si vous voulez, vous et moi, on peut devenir banque. Donc moi, je deviens banque et j'emprunte de l'argent à 0,5% et je prête à Étienne à 1,5%. Je me fais une marge que je peux garder. Et donc, moi, je suis banque. Étienne, il peut me emprunter auprès de moi à 1,5% et puis il peut aller prêter à 2,5%. Et on fait tous ce schéma, vous voyez, où on est tous des banques. Alors, c'est ça, la finance de l'ombre. Mirette, tu dis 80 000 milliards pour ce crédit non bancaire. Mais pour avoir une idée de l'ordre de grandeur, le crédit bancaire, c'est quel ordre? C'est le double? C'est la moitié? C'est autant? C'est peut-être... oui, bonne question. 80 000 milliards de finances non bancaires. Est-ce que c'est autant que la banque ou plus ça, que la banque? C'est 40% ça, du crédit bancaire. D'accord. C'est 40% du crédit bancaire qui est 60% de plus. Et alors, ça correspond. Mais ça croît plus vite. C'est-à-dire qu'au bout de quelques années, ça va dépasser la taille du secteur bancaire. Et c'est ce qu'on appelle chez nous. Alors, je crois qu'il y a une différence en Suisse, mais chez nous, les banques sont celles qui peuvent créer la monnaie. Oui. Et les autres, on appelle ça en France les établissements financiers. Oui. Et les établissements financiers, donc comme CTLM, je crois, et encore CTLM, je crois que son statut a changé, mais les organismes de crédit à la consommation doivent emprunter l'argent qu'ils veulent prêter. Le problème que posent ces entreprises-là, c'est qu'elles sont moins contrôlées, c'est ça? Elles sont moins contrôlées, elles n'ont pas d'obligation de fonds propres, c'est-à-dire les exigences de capital, elles sont uniquement imposées aux banques. Les garanties au niveau des prêts et la vérification de la solvabilité du débiteur n'est pas du tout pareil. En gros, c'est ces prestataires que nous, ici, on appelle les intermédiaires financiers non bancaires, ils peuvent prêter à n'importe qui. Mais donc, ils peuvent prêter à quelqu'un qui n'est pas du tout solvable. Mais en même temps, comme ils ont dû emprunter l'argent, l'argent existait et il y a moins de besoin de garantie que pour une banque qui crée l'argent à partir de rien et qui donc est complètement en suspens avec un risque de non-liquidité, de non-solvabilité. On pourrait le penser, donc, sauf on pourrait penser qu'il y a moins besoin de... Ces intermédiaires eux-mêmes, cet argent qu'ils prêtent, est-ce que c'est des fonds propres? Non, c'est de l'argent qu'ils ont eux-mêmes emprunté. Sur un marché très risqué, c'est le marché, et ça c'est un peu technique, mais c'est le marché du financement à court terme, c'est que c'est un marché où vous pouvez aller emprunter à 24 heures, à une semaine, et vous devez rembourser. Vous mettez un collatéral, c'est-à-dire vous garantissez ce que votre emprunt là, avec un petit peu d'immobilier ou quelque chose qui n'a pas forcément beaucoup de valeur, et vous avez comme ça du cash que vous allez prêter à quelqu'un. Donc on est vraiment dans un environnement qui est très très parasité par la dette de mauvaise qualité, parce que c'est des chaînes de dette. Je me finance avec de la finance à très court terme, de la dette à très court terme, je prête un peu à plus long terme, mais en fait si tout d'un coup le marché à court terme s'arrête et il est gelé, je me retrouve, moi je suis plus capable je dois tout de suite demander qu'on me rembourse, et là vous avez une chaîne de faillite
Et ça, on l'a connu en 2008, c'est-à-dire qu'en 2008, ces mêmes acteurs, ces hedge funds, des fonds un petit peu dérégulés, comme c'est les fonds spéculatifs et les fonds de capital investissement, les fonds risqués, c'était déjà eux qui étaient l'étincelle qui avait mis le feu aux poudres dans la crise des subprimes. Et pourtant, ce n'est pas eux qu'on a réglementé. On a réglementé que les banques et on a fait semblant de ne pas voir tous les autres acteurs. Et donc, ça a quadruplé depuis 2002. Ça a augmenté de 25% depuis 2008. Et maintenant, il est prédit que ça va encore augmenter de 12% par an. C'est-à-dire, c'est un taux de croissance encore plus élevé que les années précédentes. C'est-à-dire, la croissance de la finance de l'ombre est de plus en plus grande. Alors, on vous dit, oui, mais on a besoin de tous ces gens qui prêtent de l'argent parce que ça fluidifie l'économie, etc. Mais en réalité, on s'en sort comme ça, sans réglementer. Et puis, on est un peu hypocrite parce qu'on prétend que les banques maintenant ne sont pas risqués, alors que le risque systémique est énorme et il est en dehors des banques et il peut aussi contaminer les banques. Maintenant que Trump est venu au pouvoir et qu'il a décidé de déréguler aussi les banques, de revenir en arrière même sur la réglementation des banques, vous aurez les banques qui vont elles aussi récupérer leur desk spéculatif. Le desk de Goldman Sachs va revivre, il va refaire du trading pour compte propre, du trading synthétique, tout ce que vous voulez. Quand je dis trading synthétique, c'est quand vous achetez et vendez des titres fantômes que vous essayez estimez qu'ils existent. Vous faites comme si vous aviez emprunté un titre et vous l'aviez investi à un certain prix. Vous l'avez emprunté à un certain prix, vous l'avez investi à un certain prix. Donc, de nouveau, je ne veux pas être beaucoup trop technique, mais je vous dis que vous pouvez vraiment faire du trading très virtuel. Et ça, comme si... Oui. Et donc, si ça revient dans les desks de Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs, Deutsche Bank, etc., et les banques suisses aussi, eh bien, on aura du risque systémique partout. Et voilà ce que la situation se retrouve aujourd'hui. Donc, la finance, pour résumer, ne s'est pas réformée. Elle n'est pas moins risquée aujourd'hui. Elle est plutôt plus risquée. Quand j'ai écrit ce livre, pour la petite anecdote, je me suis basée sur le rapport de la stabilité financière, le rapport sur le shadow banking, sur la finance de l'ombre de fin 2015. Normalement, il paraît tous les mois de novembre. Le mois de novembre dernier, novembre 2016, il ne paraît pas. Je les contacte, je contacte le Conseil de la stabilité financière du G20 qui produit ce rapport. Je dis, bon, j'attendais avec impatience le rapport de 2016. Où est-il? On me dit, oui, ben, écoutez, ça a été reporté. On ne sait pas quand c'est que ça va paraître. Alors, je regarde qui est le président du Conseil de la stabilité financière. C'est le gouverneur de la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre est notoirement pro-dérégulation, pro-finance de l'ombre, pour vraiment la dérégulation du secteur financier. Elle émet de la recherche académique qui prouve qu'elle estime que la réglementation est quelque chose qui peut être excessif, superficiel, etc. Et donc, on voit un petit peu comment un rapport qui permettait une certaine transparence pour que vous voyez, si quelqu'un veut se coltiner ce rapport sur la finance de l'ombre, que j'ai dû me coltiner, qui est écrit dans une terminologie tellement complexe que tout est fait pour vous décourager de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la finance de l'ombre, mais vous l'aviez quand même, donc vous pouviez supporter de passer une semaine à le lire et à le décortiquer, ce que j'ai fait. Maintenant, vous ne l'avez plus. Donc, peut-être qu'il va encore paraître cette année, mais ce que je peux vous dire, c'est pour l'instant, il n'y est pas. Et donc, tous ces acteurs de la finance de l'ombre vont continuer à croître. Aux États-Unis, vous pensez que quelle est la part des crédits qui sont octroyés par des acteurs autres que les banques, par des acteurs non bancaires? Alors, disons, je vais vous poser la question autrement. Quelle est la part des banques dans l'octroi de crédit aux entreprises aux États-Unis, à votre avis? Et non, un quart. Les banques n'octroient plus qu'un quart du crédit aux entreprises. Les trois quarts sont octroyés par des acteurs non bancaires. En Europe, c'est encore les deux tiers qui sont octroyés par des banques, donc la majorité, 66%. Mais on est en train aussi de progresser vers la finance de l'ombre qui est en train de croître tellement vite qu'elle va bientôt prendre la place des banques. Alors, en fait, quand les banques sont allées vers Donald Trump pour lui dire « Écoutez, nous, on aimerait bien que vous déréguliez Wall Street parce qu'on en a marre », c'est juste qu'ils veulent récupérer une part de ce gâteau. Voilà exactement où on en est aujourd'hui. C'est juste une bataille entre qui, est-ce que c'est le secteur bancaire ou la finance de l'ombre, les services financiers plus larges, qui vont prendre la majorité du gâteau. Mais on n'est pas du tout dans une problématique où on est censé assainir la finance. Voilà aujourd'hui le visage de cette finance de l'ombre. Et j'ajoute juste pour terminer que tout ça ne serait pas possible
sans les taux d'intérêt zéro. C'est la politique de taux d'intérêt zéro qui enfante la finance de l'ombre. Sinon, c'est impossible. En fait, quand je vous expliquais tout à l'heure que tout le monde peut se faire banque, on peut tous devenir banque dans un contexte de taux zéro. Parce que moi, j'emprunte très bas, je prête avec une petite marge, quelqu'un prête avec une marge au-dessus, puis on se fait... Il y a une chaîne d'emprunt et de prêts comme ça. Mais parce qu'à la base, les taux sont à zéro. S'il y avait des taux à 5 ou 7%, ça m'embêterait, moi, d'emprunter à ça. Je dois payer des intérêts élevés. Ce sont les banques centrales qui mettent le taux à zéro. Ce sont les banques centrales qui mettent le taux à zéro. C'est la BRI qui décide. C'est la banque des banques qui est en Suisse. Alors, la BRI, en fait, c'est un conseil qui réunit tous les banques centrales du monde. Mais à la base, c'est la Réserve fédérale américaine qui, depuis 2009, maintenant, ça fait 8 ans, qu'elle a des taux zéro, je veux dire. Elle a indiqué qu'elle allait relever ses taux à partir de 2013, mais ils sont restés en dessous de 1% aujourd'hui, ou à 1%. Donc c'est vraiment toujours des taux extrêmement bas. Et tout le monde est obligé de suivre ? Oui, alors c'est vrai que tout le monde est obligé de suivre. La Banque Centrale Européenne a suivi, elle est aujourd'hui à zéro aussi. Et qu'est-ce qui se passe quand les taux restent à zéro ? La dette, elle n'arrête pas d'augmenter. Tout le monde emprunte, puisqu'il n'y a pas besoin de faire fructifier l'argent. Voilà. Puisque vous, si vous déposez l'argent, ben, il n'y a pas de taux d'intérêt versé dessus. Donc vous vous dites, je vais plutôt emprunter et investir en bourse. Ça fait gonfler tous les indices artificiellement, parce que tout ça, c'est de l'argent emprunté. Les indices, ils gonflent. Parce que tout le monde emprunte pour investir dans les actions. Il n'y a plus d'argent propre qui est investi dans les actions, c'est que de l'argent emprunté. Donc l'indice, il est gonflé par énormément de dettes qui est placée dans les actions. Et ça s'appelle une bulle spéculative. Et quand vous voulez créer une bulle spéculative, vous ne faites pas mieux, vous gardez les taux à zéro indéfiniment, et la bulle spéculative, elle augmente. Alors on n'aime pas utiliser le terme spéculatif, on n'aime pas parler de finance de l'ombre. Dans la communauté des marchés, on va dire c'est une hausse, une phase haussière des marchés. On va dire que la finance de l'ombre, c'est plutôt la finance basée sur le marché. On va lui donner un nom plus acceptable, on va dire qu'elle est souhaitable, que la finance basée sur le marché, c'est bien, que ça encourage l'effet de richesse. Mais en réalité, ces politiques monétaires, c'est la meilleure manière de redistribuer vers le haut. Parce que si vous êtes une poignée de gens qui font du trading, qui ont accès au marché, vous pouvez emprunter et puis investir dans des marchés qui montent à la verticale depuis maintenant 8 ans. Mais si vous n'avez pas accès au marché, eh ben, votre salaire, il stagne. Hein. Il stagne aux États-Unis depuis 1975. Donc ça crée vraiment, ça creuse l'inégalité. L'avant-dernier livre de Stiglitz, qui s'appelle le prix de l'inégalité, un de ses meilleurs livres, je pense, vraiment remarquable, explique comment la croissance aux États-Unis est captés par les 1%, et ils prennent vraiment tout, c'est-à-dire que pour les autres, il n'y a pas de croissance du tout. Et il explique comment le capitalisme le système économique tout entier, capitaliste ou pas, est complètement bloqué par les inégalités. Ce n'est pas seulement une question de morale de lutter contre les inégalités, c'est une question d'efficacité. Les gens trop riches prennent trop d'argent aux autres et ça manque à tout le système pour fonctionner. Grippe le système. Ça grippe le système. Et qu'il est très important de reprendre l'argent aux riches, de mettre des revenus maximum, des patrimoines maximum. Mais très important, pas seulement sur le plan moral, sur le plan de l'efficacité. Absolument, parce que même Thomas Piketty, il a prouvé que vous pouvez vous enrichir que par le capital. Aujourd'hui, si vous êtes détenteur de capital, vous pouvez avoir des rendements élevés dessus parce qu'on fait monter les marchés, comme j'ai expliqué, de manière très artificielle. Donc, votre capital, par la vertu de taux zéro et d'indices qui enflent, ben, votre capital, il est rémunéré. Mais votre salaire, il ne l'est pas. Donc, cet effet d'inégalité, il est inefficace, comme tu dis, Étienne, parce que plein de gens sortent des circuits de la consommation et de l'épargne, et des magasins de distribution, de détail, etc., sont obligés de fermer parce qu'il n'y a plus de consommateurs. Et au bout d'un moment, ben, le jeu, il va s'arrêter. Si tout d'un coup, il n'y a plus d'épargnants, il n'y a plus de consommateurs au niveau de la classe moyenne et la classe populaire, eh ben, le jeu, il s'arrête, le jeu économique. Est-ce que ça nous fait une transition ? Est-ce que tu es arrivé au bout de ce que tu voulais dire sur la finance ? Ça nous fait une transition sur le keynésianisme, sur le choix des politiques pour sortir de la crise. Les journaux et les télés, les radios aujourd'hui, nous rebattent les oreilles sans arrêt
avec les politiques de l'offre, qui consistent à aider les entreprises à diminuer les charges sociales. Ils tordent le nez pour qu'on ait l'impression vraiment que les charges sociales, c'est pesant, c'est mal, et qu'il faut les... alors qu'en fait, les charges, ce qu'on appelle fautivement les charges sociales, sont des cotisations sociales, c'est-à-dire c'est du salaire. Et donc, quand on dit qu'on baisse les charges sociales, c'est comme si on appelait à baisser le salaire. Et ce que j'appelle donc les économistes de l'offre, qui sont en fait très souvent des employés de banque, ce qu'on appelle les économistes, comme chez nous en France, il y a Olivier Pastret par exemple, qui est personnellement propriétaire de banque. On ne dit jamais ça. Dans les journaux, quand on le présente comme un professeur, comme un économiste, donc un scientifique, quoi. Et en fait, c'est un banquier, mais un banquier au sens pas un employé de banque, c'est un banquier, un propriétaire de banque. Et donc, tous ces gens-là, tout le temps, nous rebattent les oreilles avec la théorie de l'offre, comme si la seule solution, c'était de diminuer le coût du travail, et sans parler évidemment du coût du capital. La dernière fois qu'on s'était vu, Mirette, on avait évoqué un peu le keynésianisme, et tu avais l'air de dire que le keynésianisme ne marchait pas et que c'était pas qu'il fallait pas le, enfin que c'était une impasse, quoi, hein, que ça avait montré que ça ne fonctionnait pas. Et puis j'avais commencé à te contredire un peu en disant mais quand même le keynésianisme c'est pas, on ne le voit pas du tout à l'œuvre aujourd'hui. Aujourd'hui on n'essaye pas du tout de relancer la demande. L'État ne se met pas en tête de relancer la demande parce que c'est ça l'idée de Keynes. Qui était libéral d'abord, hein. Avant d'être keynésien, Keynes avait été formé dans le moule libéral, et c'est au milieu de sa vie qu'il a compris, il y a eu une révolution dans sa théorie, il s'est mis à attaquer le système libéral en disant c'est une folie de ne pas solliciter l'État en situation de crise, le seul acteur contracyclique, c'est-à-dire qui peut prendre des décisions non grégaire, non moutonnière. Pas lié au court terme, mais au long terme plutôt. Et qui puisse ne pas faire comme tout le monde, et donc qui puisse relancer l'économie alors que tout le monde a envie de. Est déprimé et a envie de ralentir l'économie. Le seul acteur qui puisse faire ça, c'est l'État. Et donc le rôle de l'État pour Keynes, c'est de relancer la demande par des grands travaux quand il y a du chômage. Et alors, est-ce qu'on peut reprendre un peu cette conversation-là ? Où est-ce que tu en es, toi, sur... est-ce que, pour l'instant, nous appliquons des politiques keynésiennes ou pas ? Et est-ce que ça pourrait être une solution, dans ton esprit, ces solutions keynésiennes ? C'est-à-dire un État déclenche des grands travaux. Puis ensuite, on parlera probablement du financement de ces grands travaux, parce que pour l'instant, à chaque fois qu'on parle de grands travaux, on nous dit, mais avec quel argent allez-vous faire ça ? Parce qu'on manque d'argent. Et là, il faudrait qu'on parle de monnaie, mais ce sera le chapitre suivant. J'aimerais bien qu'on y passe un moment sur la monnaie. Bien sûr. Alors, le keynésianisme, tu as raison. Quand on parle de John Maynard Keynes, comment il avait envisagé le keynésianisme, je suis tout à fait de ton côté. C'est une belle politique dans des moments de crise et de déflation, etc. Le gouvernement lance des travaux, il crée des emplois, il est en phase d'expansion et d'investissement. Il peut aussi s'endetter pour ça. Mais ce que je pense, c'est que depuis 2008, aucun gouvernement ne s'est lancé dans le keynésianisme. Ce que les gouvernements ont fait, ça, si John Maynard Keynes était en vie aujourd'hui, il hurlerait en voyant ce qu'eux, ils prétendent être du keynésianisme. C'est-à-dire, bon, ils ont compris que le fait de lancer des grands travaux, refaire les infrastructures, faire de la dette à grande échelle pour investir massivement, cette expansion-là, d'abord, ils se sont tous surendettés pour sauver les banques. Donc depuis 2008, les dettes des gouvernements ont fait comme ça. Elles sont toutes passées au-dessus de 101%, de 102% du PIB. Et ça n'a rien à voir avec Keynes. Rien, non. Parce que Keynes disait qu'il fallait dépenser l'argent sur des travaux d'utilité publique. D'utilité pas du tout publique. Pour sauver les bandits. Ouais. Voilà. Et là, effectivement, les... Alors, il y a un grand mouvement de soutien par rapport à ce que tu viens de dire. Je comprends très bien. Oui. Et alors, justement, ça aurait nécessité, au lieu de sauver les banques, de laisser certaines aller en faillite, même si ça provoquait beaucoup de dégâts dans l'économie, mais de lancer des grands travaux pour faire repartir l'économie en général, l'économie englobante, avec tous les emplois des secteurs moyens, moins qualifiés, les industries, tout au sens large, la société au sens large aurait été portée par les politiques des gouvernements. Mais d'abord, ils se sont dit, tiens, monter les impôts, c'est impopulaire, alors, parce que là, il faut quand même augmenter les impôts. Si tu veux investir comme ça, tu dois prendre ça aux gens.
À mon avis, on pourrait créer la monnaie nécessaire. Alors, oui. Bon, puisqu'on est d'accord sur Keynes, oui. On va passer au sujet mais sur la monnaie. Je veux juste te dire une petite chose. Ils n'ont pas fait ça, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démissionné, les gouvernements, et ils ont complètement délégué la relance aux banques centrales en appelant ça du keynésianisme. Et alors, les banques centrales qui mettent les taux à zéro juste pour relancer les indices boursiers, moi, je n'appelle pas du tout ça du keynésianisme. Mais il y a des gens qui appellent ça du keynésianisme. Hein. Je pense que c'est keynésien, ça. On met les taux à zéro, on injecte des liquidités dans l'économie, puis en fait, elle ne va pas dans l'économie, parce qu'en réalité, les banques n'ont pas prêté aux entreprises. On les a recapitalisées, mais elles n'ont pas prêté aux entreprises, parce que par ailleurs, on leur a augmenté leurs exigences de fonds propres. Donc elles ont dit, non, mais de toute façon, on a trop d'exigences de capital, alors on ne va pas trop prêter aux PME, ça nous intéresse un peu moins, et puis, etc. Et donc, plus ça... rentable de jouer au casino. Voilà, les banques ont plutôt essayé de faire des activités sur les marchés des capitaux. Les taux zéro ont enflé les indices et il n'y a pas eu de politique keynésienne. Mais la politique keynésienne, bien sûr que ça serait, si elle était vraiment appliquée, mais qui c'est qui l'applique aujourd'hui? Donc, échec des politiques monétaires aujourd'hui à relancer la croissance, stagnation des salaires, austérité, déflation. Ce sont les mêmes erreurs. Rien n'a été atteint. Oui. Ce sont les mêmes erreurs qu'en, presque les mêmes erreurs qu'en 29, hein, puisqu'en 29 aussi, ils avaient réagi par l'austérité en... Mais avec sauf qu'en 29, ils n'ont pas sauvé les banques. Les banques faisaient faillite, ils se jetaient par les fenêtres. Les banquiers se jetaient par les fenêtres à l'époque. Tu avais vu Inside Job, je crois, hein, le film Inside Job. Je vous conseille de voir le film Inside Job. Ça va vous coûter 10 euros de DVD, c'est 3 francs 6 sous. C'est un texte remarquable. C'est une enquête remarquable dont j'avais récupéré les sous-titres et traité. C'est un long travail de centaines d'heures pour faire un document pour fixer les idées de cette enquête, parce que c'est vraiment une enquête magnifique pour comprendre ce qui s'est passé en 2008, parce qu'en fait, les causes sont restées les mêmes, et on va probablement s'en reprendre une deuxième volée de bois vert dans pas longtemps, probablement puissance 2. Je vous recommande de voir ça, et je l'ai publié sur mon blog, retranscription. Moi, je vais aller relire sur le blog d'Étienne la retranscription intégrale de Inside Job. Et vous allez voir, ça vaut le coup de le relire, parce que vous l'avez peut-être déjà vu, d'ailleurs, parce que souvent, les militants ont vu ce film-là. On a le souvenir d'un bon film, mais quand on veut se remémorer le détail, on ne se souvient pas, parce qu'une vidéo, ça passe. Quoi. Alors que quand on travaille sur l'écrit, ça fixe mieux les idées, les noms des gens, et ce que j'ai mis dans mon document, c'est les photos des gens qui parlent, parce qu'il y a les aveux des acteurs, les aveux des profs de fac qui ont garanti que la libéralisation de l'activité bancaire en Islande ne comportait pas de risque, par exemple. Alors qu'ils savaient très bien que ça comportait du risque, mais ils ont été payés grassement pour faire ces rapports. Mm-hmm. Et quand ils s'aperçoivent qu'ils sont devant un caméraman qui est en train de fixer leurs aveux, leur tête, non mais ça vaut de l'or. C'est vrai. En fait, il y a tellement de choses dans ce film. En fait, chaque paragraphe, ils ont dû couper énormément parce que chaque paragraphe compte. C'est le meilleur film qui a été fait sur l'intérieur de la finance, hein, les coulisses de la finance. Tout à fait. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas eu de nouvelle crise financière? Peut-être qu'on peut passer une minute là-dessus. Moi, je pense que toutes les conditions sont réunies parce qu'il y a vraiment une masse spéculative importante de crédits, comme je vous ai dit, qui sont peu solvables et de mauvaise qualité. Simplement, tant que les taux sont à zéro, la bulle, elle est en train de gonfler. Donc, elle ne peut pas être en train de gonfler et s'effondrer. Donc, c'est quand ils vont monter les taux que ça va péter. Voilà, c'est comme quand je suis en train de souffler dans un ballon. Ben, l'air, il est en train de faire gonfler le ballon. Mais c'est au moment où j'arrête de souffler puis qu'il y a les taux d'intérêt qui agissent comme une petite aiguille qui peint et pique le ballon, que boum. Donc, quand on fait monter les taux d'intérêt, il y a énormément de crédits, de cette masse de crédits actuellement ouverts, hein, qui vont devenir rapidement insolvables. Et vous aurez des cascades de faillites de petites entreprises et de particuliers qui s'étaient surendettés. Parce que, notamment aux États-Unis, vous avez une énorme bulle de dette d'étudiants, vous avez une bulle de dette de leasing de voitures, des bulles, des poches dans plein de différents domaines qui font que ça ne supporterait pas même, je ne sais pas moi, des taux à 3%.
probablement. On vous auriez déjà un début de détérioration très forte et de défaillance de beaucoup de catégories de dettes. Voilà où on en est. J'ai lu que l'exposition des banques comme la BNP, des grandes banques, alors ça doit être la même chose, je pense, en Suisse, parce que c'est aussi le cas en Allemagne, les grandes banques sont exposées aux produits dérivés dans des proportions extravagantes. J'ai lu quelque chose comme la BNP est exposée comme quelque chose comme 40 fois le PIB de la France aux produits dérivés en hors bilan. C'est ça. Et que donc une variation de 0,0001% à la baisse, alors que pour l'instant ça fait que monter, une variation à la baisse gommerait son capital en un instant. C'est ça. Je crois que pour l'Allemagne, c'est 50 fois le PIB. Enfin, c'est extravagant. Pour Deutsche Bank, qui a un portefeuille hallucinant, je ne sais plus, de 25 000 milliards en valeur nominale de dérivés, de crédits, qui sont sur son bilan, parqués sur son bilan. C'est une prise de risque qui est énorme et qui ne peut pas supporter un krach boursier ou une hausse de taux d'intérêt. Voilà à quel point le système est vulnérable. Et donc, on va continuer à le faire maintenir sous perfusion. Mais personne ne voudrait aujourd'hui être à la place d'un banquier central ou même de Donald Trump qui ne va pas réussir à trouver une sortie facile de cette situation. On est coincé avec une masse de crédit hyper vulnérable. On ne peut rien faire. Si on bouge un millimètre, elle explose. Donc voilà. À leur place, ils risquent pas grand-chose quand même, parce que les responsables comme Bernanke ou les responsables de la crise précédente n'ont pas été punis du tout. Ils ont été récompensés grassement. Dans Inside Job, on voit dans la dernière partie du film le sort qui est réservé à tous les responsables. Ils ont tous été promus, ils sont tous plus riches les uns que les autres. Voilà. Personne n'a eu rien à rembourser du tout. Ils ne sont pas punis du tout. Hein. Parlons un peu de la responsabilité. Moi, je pense que ça, c'est un des problèmes les plus fondamentaux de toute cette crise latente qu'on a au niveau des économies occidentales. Il n'y a pas eu la moindre condamnation pénale, effectivement, après la crise des subprimes de 2008. Pas la moindre. Donc le pénal ne marche plus. Il y a des amendes. Alors on passe par l'administratif, le civil, mais le pénal ne fait plus son travail. Parce que ça rapporte moins d'argent au gouvernement que les amendes de quelques milliards qui représentent une fraction de ce que les banques ont gagné dans la spéculation sur les subprimes. C'est une fraction infime, les amendes. Je pense que oui, mais c'est pas parce que ça rapporte pas qu'ils les punissent pas. C'est parce qu'ils sont de la même bande. C'est une bande de malfaiteurs, quoi, qui agissent en bande. Alors, il y a l'histoire des portes tournantes, hein, de quelqu'un qui était à Goldman Sachs, qui arrive au gendarme boursier américain, puis qui revient dans une banque, puis qui revient au trésor américain. Ça, c'est effectivement justement très connu. J'ai amené un bouquin à ce propos qui s'appelle La finance imaginaire. Anatomie du capitalisme, des marchés financiers entre guillemets à l'oligarchie, d'un gars dont le nom est difficile à prononcer, c'est Geuens, ça se dit, ou Geuens, G-E-U-E-N-S, c'est un Belge qui avait déjà écrit Tout pouvoir confondu, un livre remarquable qui donne les noms des gens qui sont à la fois dans le conseil d'administration de telle boîte, telle boîte, telle boîte, et les participations croisées se voient là comme le nez au milieu de la figure. C'est un travail d'enquête remarquable. Et dans celui-là, La finance imaginaire, il insiste sur le fait que les gouvernements sont toujours présentés comme, tu disais tout à l'heure, ils ont démissionné auprès des banques centrales, mais on fait comme si les gouvernements étaient débordés, tu vois, comme s'ils étaient impuissants. Mais lui, il insiste sur le fait que... Ils sont surendettés, surtout. Non, c'est que les membres des gouvernements se retrouvent dans les boîtes. Tony Blair a été engagé par JP Morgan dès qu'il est sorti de son boulot. Mais ça, ça mérite d'aller en prison tout de suite. Il n'y a pas besoin de lui faire de procès, quoi. Tout à fait, parce que Manuel Barroso a rejoint Goldman Sachs. Et à cette occasion, j'ai posté sur Facebook, je crois, une liste de 15 cas où des personnes trésor étaient lui, à la... Il te donne des milliers de cas. Dans une des banque. Milliers de cas. Oui, et en oui, fait, des milliers de cas. Il y en a des milliers partout. Les financiers, les gouvernements, aux États-Unis. C'est juste les mêmes. Là, on a appris, nous, on a Fillon en ce moment qui est en train de se faire, de subir un tir croisé. Oui. Et on apprend à cette occasion-là qu'il est consultant chez AXA. AXA, c'est l'assurance, c'est la banque. C'est la banque assurance, c'est un seul et même secteur. Oui. Mais ça, rien que ça suffit, ça devrait suffire à le jeter en prison. Il n'y a même bien pas sûr. Besoin de faire de procès, quoi. Il arrive un membre même de gouvernement pas qui est... à l'élection, lui, il arrive avec 25. Non, mais tout ça vient du fait qu'on n'a pas de constitution. On a gardé ça pour la fin.
Hein, oui, on va y revenir, bien sûr, mais rappelons aussi cette histoire du gouverneur de la Banque d'Angleterre qui n'a pas publié qui dirige le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney. Il dirige le Conseil de la stabilité financière qui fait le rapport sur la finance de l'ombre et qu'il n'a pas publié cette année. Alors moi, j'attends, c'est à suivre, on va voir s'il va sortir. Mais ce rapport déjà qui était un petit peu plus édulcoré un peu chaque année, on voyait que la terminologie était de plus en plus adoucie, etc., et qui ne sort pas cette année. Enfin, il y a des milliards d'exemples, je pense, sur ça. Maintenant, ça nous mène à la question, est-ce que les marchés devraient être régulés ou est-ce que l'histoire de l'autorégulation des marchés, le fait qu'ils peuvent s'auto-contrôler, qu'ils n'ont pas besoin de régulation, qu'il y a une main invisible qui coordonne le tout, est-ce que ça, c'est possible encore de tenir ce genre de discours ? Mais alors, là, c'est moi qui vais te poser la question, parce que en tant que toi, tu es rédactrice en chef d'une revue financière, bilan. C'est quoi l'ambiance dans une revue financière ? Vous en êtes tous sur la doxa ? Parce que moi, je lis pas tellement, je lis pas du tout même les revues financières, mais je regarde les journaux, les magazines. Et la doxa, c'est qu'il faut libéraliser les marchés, c'est-à-dire que les marchés s'autorégulent, les marchés sont. Mais est-ce qu'on le dit aussi dans les revues financières ? Parce que ça me paraît tellement indéfendable. Le fait que les magazines le disent, je le comprends, puisque ils appartiennent tous à 10 milliardaires. Donc c'est la Pravda des milliardaires. Bon, donc tous nos journaux, c'est quand même un peu gênant, sont la Pravda des milliardaires. Mais donc, on se fout de ce qu'ils disent, puisqu'on sait que c'est des milliardaires. Mais par contre, une revue financière appartient à un éditeur privé zurichois. Éditeur privé en Suisse. Alors. Et j'ai une rédactrice en chef qui a l'air d'être hostile à l'autorégulation des marchés. Je jubile à dire, raconte-moi. Mais pendant très longtemps, quand on allait à l'école du journalisme financier et puis qu'on faisait plusieurs journaux financiers, soit on avait passé par une banque, soit on passait beaucoup de temps avec les analystes, les économistes, et par un effet de poreux, comme ça, de porosité, de capillarité, comme tu dis, comme il se passe aussi chez les journalistes sportifs, les journalistes culturels, les journalistes politiques, il y avait cet effet de proximité qui faisait qu'on trouvait des journalistes qui mimiquaient un peu les attitudes et les arguments des financiers, fascinés par eux, par leur degré souvent de connaissance et de technicité, souvent très impressionnant, puisque à la base, c'est les meilleurs qui vont dans les... D'ailleurs, la finance de l'ombre, c'est les meilleurs traders, les cracks, vraiment ceux qui gagnaient le plus d'argent dans les banques, quand ils ont vu qu'il y avait commencé à avoir des procès, des amendes dans les banques et tout ça, ils ont tous migré pour aller fonder leur propre hedge fund dans la finance de l'ombre. Et c'est toujours les esprits les plus brillants. Donc les journalistes financiers, ils répliquaient un peu les arguments sans trop d'esprit critique. Après 2008, il y a eu une génération de... Moi, je me prévaut d'en faire partie, de journalistes qui se sont dit non, mais... Vraiment, là, il y a tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a appris, il y a quelque chose qui ne joue pas. Les marchés efficients, la théorie de la main invisible, etc. Il y a quand même quelque chose qui joue. La meilleure répartition des ressources par les marchés libres. Voilà, l'effet de ruissellement du haut vers le bas. Le ruissellement, voilà. Après, il y a eu Thomas Piketty, quand même, qui a expliqué, tout comme Stiglitz, tous ces effets d'inégalité, notamment causés par les cracks financiers et cette redistribution à chaque crack. À chaque sauvetage étatique, on redistribue en réalité les gains vers le haut. On maintient des gens qui ont généré des bonus phénoménaux à l'abri et puis on applique l'austérité à tout le monde. Donc, moi, je ne crois pas à l'autorégulation des marchés. Je pense que si tu veux tenir ce discours... c'est juste intenable quand tu as des phases spéculatives comme celles qu'on a vues en 2008, puis qu'on avait vues déjà avant en 2002 avec l'éclatement de la bulle des valeurs technologiques. On sait très bien qu'il faut un cadre réglementaire. On ne peut pas inciter par tous les moyens les gens à s'endetter comme on a fait avant la bulle des subprimes. On a dérégulé toutes les lois qui protégeaient l'épargnant, qui protégeaient le petit investisseur, et on a permis qu'on puisse accepter de faire des prêts à des gens totalement insolvables en leur permettant d'acheter des maisons, mais à des conditions vraiment hyper risquées et dangereuses. Et on a enlevé tous ces filets de sécurité et de protection de l'épargnant et de l'investisseur, et on a enlevé toutes les brides qui pouvaient encore retenir les financiers en se disant « Non, mais ils vont par eux-mêmes, ils vont s'autodiscipliner,
mais on croit rêver. Hein. Et c'est l'effet du lobbying. C'est pas vraiment un choix. C'est pas une vraie théorie. C'est surtout une théorie qui vient confirmer pour cautionner l'effet de lobbying de financiers qui veulent juste pouvoir maximiser les opportunités de profit. Mais dans votre milieu d'analyste de la finance, comment vous imaginez, si vous êtes en train de vous rebeller, enfin en train de penser que quand même on s'est trompé pendant des années quand même sur ces histoires ultralibérales, comment vous imaginez de changer les choses à partir du moment où vous observez que partout dans le monde, tous les gouvernements, étant élus par les campagnes électorales des médias achetés par les riches exactement pour ça, pour gagner les élections, comment on va faire dans votre esprit pour changer les choses, pour se remettre à réguler si les financiers ont pris le contrôle des élus? Comment vous arrivez à penser une solution sans vous en prendre aux institutions? Parce que c'est les institutions qui prévoient bien sûr l'élection, oui, les campagnes électorales, le fait qu'on puisse aider les candidats, le fait que les plus riches peuvent aider les candidats, donc que tous les candidats qui gagnent sont toujours les candidats des plus riches. C'est juste. Et ça, vous l'intégrez dans votre réflexion ou pas encore? Ça vient petit à petit? C'est une excellente question. Moi, je pense que si on arrive aujourd'hui à avoir une critique, même une critique purement libérale, parce que si on est purement libéral aujourd'hui, on ne peut pas accepter de voir des gouvernements qui récompensent l'échec de tout un secteur financier qui s'est complètement effondré, qui a montré son inaptitude. Même si on est libéral pur sucre et qu'on lit ce qu'on écrit... Voilà, c'est pas libéral, c'est interventionniste et étatiste seulement quand le secteur financier a besoin d'aide, comme tu sais bien, on dit qu'on socialise les pertes et on privatise les gains. Donc, si on est un vrai libéral et qu'on a lu Hayek et Friedman et von Mises et d'autres auteurs du libéralisme pur, on condamne ce qui se passe aujourd'hui parce qu'on estime qu'un trader, il doit prendre des risques qui lui permettent d'avoir 50% de chances de gagner et 50% de chances de perdre. Et quand il perd, il doit perdre. Parce que c'est le marché qui le sanctionne. Et si on laissait même ça arriver, sans même mettre un cadre très, très autoritaire, il y aurait beaucoup de gens qui auraient déjà perdu parce que leur spéculation se serait retournée à un moment contre eux. Puis ils auraient perdu des plumes, donc ils auraient déjà eu une incitation à ne pas continuer. Et même ça, on ne laisse pas le marché librement agir. On intervient, les banques ont truqué tous les taux d'intérêt, les prix des matières premières, de l'or, des métaux précieux, les prix du Libor, tous ces taux ont été truqués et il y a eu des enquêtes qui ont été ouvertes sur toutes ces affaires-là les trois dernières années. C'est pas du tout libre. Sur le choix libéralisme ou interventionnisme, il y a c'est un petit livre, mais c'est un des meilleurs livres que j'ai sur la question, qui s'appelle Néolibéralisme versus État-providence, qui fait sous forme de débat, c'est un débat un petit peu comme le nôtre, mais c'est moins bienveillant, dans lequel il y a un vieux monsieur libéral qui défend la thèse libérale, et puis une dame keynésienne qui défend la thèse keynésienne, et c'est magnifique. Et qui c'est qui gagne? Alors, moi, j'ai l'impression que c'est Keynes largement. Oui, c'est-à-dire que le gars qui écrit, je pense, est keynésien. Mais c'est très bien fait, c'est-à-dire que c'est très pédagogique. Je vous recommande vraiment ce livre-là, c'est remarquable. Et, par exemple, dans la controverse sur est-ce qu'il faut que l'État intervienne ou pas, le libéral dit... Il ne faut absolument pas que l'État intervienne. À chaque fois qu'il intervient, il fait des bêtises, il fausse le marché et il empêche les équilibres de se former. Et la dame lui répond de façon beaucoup moins théorique et de façon beaucoup plus pragmatique. Mais on a un laboratoire du libéralisme, c'est-à-dire de la non-intervention de l'État, de l'absence totale de droit du travail, de droit social. On a cet exemple-là au 19e siècle. Au 19e siècle, en Europe, en France, en Angleterre, il n'y avait pas de droit social, l'État n'intervenait pas pour aider les pauvres gens. Au contraire, quand les mineurs faisaient grève, on leur tirait dessus pour qu'ils retournent au boulot. Donc l'État libéral, l'État était complètement... L'économie était libérale et le résultat, c'était pas l'enrichissement, la hausse des salaires comme ils prétendent ou la baisse du chômage. Il y avait du chômage, les gens crevaient de faim, une misère sans nom. Et ouais. Alors, ce livre-là, je vous recommande. Je pense que dans ce livre, ce qui est très intéressant, c'est que avant, tu pouvais avoir
un néolibéralisme débridé ou un État-providence assez pur dans sa forme. Et aujourd'hui, tu as le pire de ces deux-là. C'est que quand les marchés montent et qu'on est dans une euphorie financière, on est en néolibéralisme alors à 200%. Quand il y a une crise et que les grands intérêts financiers sont en difficulté puis qu'ils perdent beaucoup d'argent, on est en État-providence pour eux, pour les aider eux. Donc on prend le pire des deux systèmes, c'est-à-dire on est illimité à la hausse, puis on est très autoritaire et interventionniste à la baisse pour leur éviter de perdre. Donc ils n'ont pas le droit de perdre, ils ont juste le droit de gagner. Et ça, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle de l'étatisme, du néolibéralisme étatiste. C'est difficile de nommer ça, mais on peut nommer ça ploutocratie. Moi, je pense que la ploutocratie, je vous invite à découvrir un peu la littérature qui s'est écrite sur la ploutocratie, notamment les écrits de Fukuyama. Francis Fukuyama, qui avait écrit La fin de l'histoire et qui maintenant est qui lui est un républicain américain, c'est pas un gauchiste, hein, je veux dire, c'est pas un altermondialiste, mais lui, il décrit clairement que les États-Unis, ils sont passés d'une ploutocratie industrielle dans les années de la moitié du XXe siècle à la deuxième moitié du XXe siècle où ils sont passés à une ploutocratie financière qui décide un peu des intérêts même de la politique étrangère, même de tout ce qui concerne les États-Unis en rapport avec les intérêts de cette ploutocratie financière, c'est-à-dire des riches qui sont issus de la finance. Ces personnes, d'ailleurs, on a vu que les principaux donateurs de Hillary Clinton étaient très, très largement des grands financiers milliardaires. Guenz, là, justement, dans la finance imaginaire, met en garde précisément contre toutes ces critiques du capitalisme qui sont trop timides en disant notre problème c'est que le capitalisme est devenu financier, c'était mieux de l'époque du capitalisme industriel, et il montre que vraiment la plupart de ces critiques sont des fausses critiques, quoi, c'est-à-dire qui sont comme des leurres qui nous empêchent de voir l'essentiel. Je propose qu'on passe à la monnaie, non, parce que quand on va vouloir faire des politiques keynésiennes, on va avoir un problème de financement, et j'aimerais bien qu'on parle du financement de l'État, donc de la façon dont l'État devrait créer la monnaie. Et pour arriver à ça, je me suis dit, j'allais essayer, si tu veux bien, de reconstruire à partir de rien, enfin à partir du début, de ce que je sens comme le début, le besoin de monnaie de nos sociétés, et puis différentes façons de le créer, et puis que tu m'arrêtes quand tu trouves que je me trompe, ou je m'égare, ou j'ai oublié une étape, ou un truc, tu vois, pour voir à quel moment on n'est pas d'accord. C'était quand on n'est pas d'accord. Pour l'instant, je trouve qu'on est vachement d'accord. Hein. Normalement, je m'attendais à ce qu'on soit un peu plus... On espère que vous ennuyez pas trop du fait qu'on soit si on d'accord. On est d'accord, Alors, sur la monnaie. Il me semble que il fut un temps où nous n'avions pas besoin de beaucoup de monnaie parce que nous étions agriculteurs. La plupart des humains étaient à la terre. Nous n'avions pas encore découvert le charbon, le pétrole, les énergies fossiles. Et donc, on était tous attachés à la terre. On ne pouvait pas s'en éloigner. On en avait besoin pour manger. Et le pétrole donc, nous a permis de remplacer notre travail et le travail des bêtes par des machines, et nous a permis de nous éloigner de la terre et de migrer vers les villes. Et ce faisant, nous sommes devenus incapables de nous nourrir, incapables de construire nos maisons, même de nous chauffer, etc. Et donc nous avons eu besoin de plus en plus les uns des autres. Donc cette situation de spécialisation, cette tendance à la spécialisation, à la division du travail, nous a conduit à avoir besoin d'échange, donc besoin de l'outil d'échange majeur, universel, qui est la monnaie. Mm-hmm. Et donc, dans nos sociétés modernes spécialisées, où nous sommes dépendants les uns des autres, ultra dépendants, vitalement dépendants des uns des autres, nous avons besoin de monnaie. Une quantité de monnaie X ou Y, difficile à déterminer. J'ai l'impression que personne n'est capable de dire aujourd'hui nous avons besoin de X milliards pour que ça marche bien. C'est très difficile à dire parce qu'il y a plein d'acteurs qui la gardent, qui gardent par-devers eux une partie de la monnaie en cas de coup dur, et puis qui libéreront cette monnaie un jour quand le coup dur arrive. Et puis bon, donc c'est difficile de savoir théoriquement et réellement quelle est la quantité de monnaie. Mais il me semble que deux troubles apparaissent, deux indicateurs apparaissent pour signaler que nous avons trop de monnaie ou pas assez. C'est le chômage qui signale que nous manquons de monnaie et l'inflation qui signale que nous en avons trop. Et je sais qu'il y a quelques exceptions
dans la vie des hommes, où nous avons observé à la fois de l'inflation et du chômage, mais la plupart du temps, on a soit pas d'inflation, mais on le paye en chômage, soit de l'inflation, soit du chômage, mais on le paye... Enfin bon, j'ai perdu ma phrase, mais donc on a soit du chômage, soit de l'inflation, et il faut faire un choix de société, en fait. Si vous voulez, et d'ailleurs, la règle qui passe de l'un à l'autre est simple, quand il y a du chômage, les salariés ont peur, ils n'osent pas, ils ont peur de perdre leur boulot parce qu'ils ne sont pas sûrs d'en retrouver, donc ils ne sont pas revendicatifs en salaire, donc ils ne sont pas revendicatifs en conditions de travail, ils acceptent de travailler comme des bourricots, et donc ils coûtent peu cher à l'entreprise qui fait des profits, qui n'a pas besoin de le répercuter sur les prix, donc on a peu d'inflation. Par contre, s'il n'y a pas de chômage, et ça c'est vraiment, on l'observe tout le temps, quoi. Quand il n'y a pas de chômage, les gens n'ont pas peur de perdre leur boulot, puisqu'ils savent que dès qu'ils quitteront leur boulot, ils en retrouveront un, donc ils n'hésitent pas à demander des bons salaires. Et donc ils les obtiennent. Alors ils les consomment, mais ils les obtiennent. Et comme ils les obtiennent, les patrons répercutent les hausses de salaire sur les prix. Donc ça donne de l'inflation. D'ailleurs, la plupart du temps, quand il y a une prospérité, une période de prospérité, comme les 30 Glorieuses en France, c'est une période d'inflation, mais d'inflation raisonnable, hein, 4%, 5% pendant les 30 Glorieuses. Jusque-là, on est d'accord sur les prémices. Alors, il me semble que quand nos sociétés humaines ont eu besoin de monnaie, nous n'avons pas compris les premiers, en tout cas les princes, les autorités publiques n'ont pas compris les premiers qu'on pouvait créer de la monnaie très librement. En fait, on peut créer de la monnaie très facilement. Il y a eu toute une période de l'histoire des hommes où nous avons cru que les monnaies devaient être attachées à quelque chose de précieux, un étalon. Et très souvent, c'est l'or. Mais ça pourrait être autre chose, un étalon qui serve de référence. Jusqu'en 71, où on s'est aperçu, quand Nixon a désindexé le dollar de l'or, on s'est aperçu que, mais en fait, on pouvait créer de la monnaie librement. Il n'y avait pas besoin de l'or. On avait pris l'habitude d'utiliser de la monnaie. C'est juste une affaire de perception et de confiance. Voilà. Mais comme les princes n'ont pas vu ça, les premiers. Je pense à 1694, la création de la Banque d'Angleterre par Guillaume d'Orange, donc le roi d'Angleterre, qui avait besoin, si j'ai bien compris, pour faire la guerre, il avait besoin d'or. Et il a passé un pacte avec les banquiers, lui ont proposé de lui donner tout leur or en échange de bouts de papier, de certificats qui valaient autant que l'or. Donc, qui était certifié et qui valait autant. Donc, en fait, ils n'avaient rien perdu. Mmh. Et puis, de s'appeler Banque d'Angleterre pour donner l'impression que c'était public, alors que c'était tout à fait privé. C'était des banquiers privés. C'est ça. Et à partir de là, progressivement, sur le modèle de la Banque d'Angleterre, se sont constituées toutes les banques centrales qui, la plupart, étaient soit carrément privées, souvent, soit, quand elles étaient publiques, elles étaient sous l'influence des financiers privés. Ce qui est aujourd'hui largement le cas de toutes les banques centrales, ouais, qui sont très proches des exécutifs des gouvernements. Alors, moi, il me semble que les citoyens devraient se réapproprier la question monétaire, notamment avec l'idée des monnaies locales qui sont pédagogiques, c'est-à-dire qui permettent de faire de la monnaie un sujet de conversation pour comprendre que c'est facile d'en créer et que ça peut tout changer. Notamment en examinant les expériences de monnaie locale qui ont fonctionné, comme Vorgle, comme Schonenkirchen. On a comme, le Léman qui a été lancé. Alors, le Léman, je ne sais pas s'il va fonctionner, parce que si j'ai bien compris, on en a parlé à midi. Oui. Le Léman, il est forcément à parité avec le franc suisse. Il est indexé sur le franc suisse, je crois, oui, c'est une condition qui est mise. Et donc, il ne peut pas être créé. En plus, est-ce que les autorités publiques. Il ne peut pas flotter librement par rapport au franc. Alors oui, mais c'est pas ça le problème. Mais est-ce que l'autorité publique qui émet le Léman peut en créer autant qu'elle veut? Est-ce qu'elle peut créer de la monnaie? Ou bien est-ce qu'il faut qu'elle ait d'abord autant de francs suisses équivalents pour pouvoir mettre en circulation? Parce qu'en France, par exemple, on a une loi qui, soi-disant, a autorisé les monnaies locales. La contrepartie en France suisse, oui. Il faut la contrepartie en France suisse. Oui. Et oui, mais du même coup, ça, c'est, donc l'autorité qui crée le Léman ne peut pas, n'a pas l'outil de prospérité. Oui. Qui est le droit de création monétaire. En France, on a... C'est vraiment des affreux. Hein, ils ont autorisé les monnaies locales, mais à condition qu'elles soient à parité avec l'euro. C'est partout comme ça. Il n'y a pas de monnaie locale qui peut vraiment arriver au stade où elles peuvent défier une monnaie nationale. Mais sur le vire, par contre, le vire, vous pouvez...
La banque vire peut créer de la monnaie, je crois. Elle peut créer de la monnaie, mais ça reste dans un réseau tout à fait fermé. Ah oui. Et ça ne peut pas devenir une monnaie qui a une envergure nationale. Oui, mais ça, c'est le principe des monnaies locales. Oui, les monnaies locales, d'ailleurs, c'est tout leur intérêt. Alors, leur intérêt, c'est d'être plutôt, local. Le vire, il s'appelle plutôt aux cartes de débit. C'est plutôt un bon d'échange. C'est des bons d'échange. Voilà. Oui, mais la monnaie, est-ce que c'est autre chose qu'un bon d'échange? La monnaie, ça peut être une désignation. On pourrait l'appeler bon d'échange. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, ça marche très très bien, le vire, si j'ai bien compris. Oui, ça marche, c'est vrai, entre, il y a 60 ou 70 000 entreprises PME qui se sont organisées et qui ont dit, ça, c'est notre monnaie entre nous. Exactement. Sauf que pour moi, l'idée de créer une monnaie locale, c'est si on a peur de l'effondrement de l'euro. Bon, avec le franc suisse, il y a moins de risques, mais même il y a l'envie ici aussi quand même d'avoir une monnaie locale. Ça montre la défiance qu'on a envers les monnaies nationales. Mais quand il y a eu la peur que l'euro s'effondre, qu'il soit démantelé, que tous les pays d'Europe en sortent, l'idée des monnaies locales est revenue en force parce qu'on n'avait pas envie de subir un effondrement, une dévaluation catastrophique, des choses comme ça. Et aujourd'hui, ces monnaies locales ne permettent pas de résoudre ce problème-là parce qu'on n'est pas du tout... ça ne nous aiderait pas du tout parce qu'elles sont ni internationales ni nationales et ne nous permettraient pas de... Elles ne pourraient pas se substituer à... Si l'euro s'effondrait, elles ne pourraient pas s'y substituer parce qu'elles sont loin d'être universelles et acceptées partout. Et puis, si elles sont indexées à la monnaie, elles vont aussi connaître une dévaluation. Donc, qu'est-ce que ça peut vraiment apporter, part que ça fédère des commerces qui ont une vocation plus durable, équitable, éthique? Ça, c'est la vraie vocation aujourd'hui des monnaies locales. C'est l'utilisation qu'on en fait parce qu'on choisit de l'utiliser seulement avec certains commerces qui sont engagés, qui sont... Alors, c'est une des utilisations, mais à mon avis, l'enjeu politique, il va beaucoup plus loin, l'enjeu des monnaies locales. Parce qu'en fait, la monnaie, c'est un outil politique pour... c'est presque, j'ai envie de dire, l'outil politique central d'une communauté qui décide de vivre ensemble. Tout à fait. Je veux dire, c'est vraiment l'acte politique fondateur, presque. Ah, mais c'est bien sûr. Et donc... Il peut très bien, il pourrait très bien y avoir une biodiversité des monnaies, parce qu'on peut très bien participer à une commune et en même temps participer à un canton, participer à une nation, participer à un continent. On peut participer à plusieurs collectivités. Mais au Moyen-Âge, c'était comme ça. Alors on revient exactement. Donc un petit on peut peu avoir à, plusieurs. Oui, mais, un système un peu Moyen-Âge. Oui, mais de l'an 1000 à l'an 1300, c'est Bernard Lietard qui a écrit un bon bouquin là-dessus. Oui, oui, exactement. Au cœur de la monnaie. C'est lui qui avait raconté ça. Où il explique qu'entre l'an 1000 et 1300, qui était l'âge des cathédrales, il y a une période de prospérité incroyable dans les endroits où on avait deux monnaies, justement. Oui. Une monnaie fixe qui servait de réserve de valeur, mais qui ne servait pas du tout dans les échanges, qui servait d'unité de compte, qui était la livre tournois, je crois. Et on n'échangeait pas du tout. Oui, la livre tournois. Et puis, par contre, il y avait les sous qui servaient, qui eux, n'avaient pas de valeur, le commerce et qui circulaient beaucoup. Voilà. Et ça donnait une période de prospérité majeure. Et l'avantage de la monnaie locale, c'est qu'elle ne fout pas le camp, puisque à l'extérieur, elle ne vaut rien. Mais c'est une force immense qu'elle ne vaille rien à l'extérieur. De la communauté, parce que justement, elle ne s'en va pas, elle ne fuit pas, elle reste, et comme elle reste, on est sûr d'en avoir tout le temps. Oui. Et ce dont et qu'elle n'est jamais ni surévaluée ni sous-évaluée, elle correspond à sa région. Voilà, elle n'a pas besoin de subir des. Il peut y avoir un change avec les monnaies extérieures, parce que par exemple, les commerçants qui vont être les réceptacles les plus fréquents de cette monnaie vont se retrouver avec trop de monnaie locale et eux, il faut qu'ils puissent changer de temps en temps avec une autre monnaie nationale, par exemple. D'accord. Mais, il faut qu'il y ait un contrôle d'échange. Il faut vraiment que il faut pas que la monnaie puisse être transformée librement dans une autre monnaie. Il faut pour que ça reste au niveau local. Mais ça ajoute beaucoup de complexité quand aujourd'hui on a des flux commerciaux qui sont gigantesques. On n'arrivera pas aujourd'hui à se débarrasser des monnaies nationales, voire supranationales. Alors c'est là où on va venir sur l'euro, parce qu'il faut qu'on règle une fois pour toutes notre discussion sur faut-il que la France sorte de l'Union européenne, faut-il revenir au franc français, parce que là je crois qu'on a de quoi discuter. Mais pour moi, le vrai enjeu, c'est de récupérer la souveraineté alors sur la monnaie nationale, puisque tu dis que la monnaie c'est centrale, ça c'est la monnaie nationale sur laquelle il faut récupérer la souveraineté populaire. Les monnaies locales, moi je veux bien, mais j'arrive pas à m'enthousiasmer pour les monnaies locales parce que l'enjeu il reste tellement micro-local que quand Monsieur Lietter justement il dit il faut que chaque immeuble crée sa monnaie locale, chaque individu crée sa monnaie locale, moi je veux bien, mais ça fait
D'accord, c'est tu admets quand même que c'est un peu trop. C'est peut-être. Alors, mon enthousiasme arrive très vite à la limite parce que je me dis, oui, mais qu'est-ce qu'on a vraiment acquis puisque le franc, l'euro va continuer à exister, le franc suisse va continuer à exister et ces monnaies-là ne sont pas. On n'a pas le contrôle dessus aujourd'hui et les autorités ne veulent pas qu'il y ait de concurrence avec ces monnaies, au point que les États-Unis et les autres banques centrales ont maintenant adopté une doctrine résolument anti-or. Elles attaquent l'or dans sa signification qui est millénaire. Et toutes les banques centrales répètent en chœur que l'or, en fait, c'est nous qui lui avons attribué une valeur, mais qu'en fait, ça vaut rien, l'or, que ça coûte de l'argent quand on l'entrepose, parce qu'il faut payer des taxes de dépôt, quoi. Et puis, en fait, ça ne nous sert à rien. En cas de désastre mondial, ben, l'or, il ne va pas nous acheter du pain. Moi, je dis que si, l'or, il va nous acheter. Tout le monde va considérer qu'il renferme une valeur intrinsèque. Mais de nouveau, là, c'est vraiment les libéraux purs, ils sont pour l'étalon or, ils sont pour la valeur de gage que l'or représente et ils sont contre les réserves de papier qui sont maintenant sur les bilans des banques centrales. Et puis les étatistes, ils vont tendre à dire non, il faut de la monnaie papier qui va elle-même remplir toutes les fonctions et qui est fiable. Et nous, on décide qu'elle est fiable et qu'elle est digne de confiance alors qu'elle ne l'est plus depuis longtemps. Il n'y a plus de monnaie de référence aujourd'hui. Toutes les monnaies sont engagées dans des guerres de dévaluation contre l'autre. Et donc, il n'y a plus de monnaie forte. C'est la fin des monnaies fortes. Et on est encore à entendre des discours des banques centrales qui attaquent l'or dans sa valeur de gage parce que tous les gouvernements, ils ne veulent pas de concurrence. Ils veulent que leur monnaie elle reste la seule alternative possible. Chaque fois qu'on essaye de regarder ailleurs, on nous dit non, c'est la monnaie, c'est l'euro, c'est le dollar, c'est le yen, quoi que vous fassiez. Même si on le dévalue de 100%, c'est ça que vous aurez et rien d'autre. Et donc, c'est vrai que la recherche d'alternatives, elle est bien, mais la récupération de souveraineté sur ces monnaies, c'est peut-être encore mieux, non ? Ou qu'est-ce que tu en penses ? Oui, tout à fait. Mais en fait, on pourrait récupérer la souveraineté au niveau local et national. C'est-à-dire que ce n'est pas exclusif. À mon avis, on a besoin des deux. Donne-moi encore une chance sur les monnaies locales, s'il te plaît. Je vais juste te résumer la façon dont j'ai lu l'expérience de Vorgl ou de Schwanenkirchen et qui me donne... De l'énergie pour réfléchir à cette question. C'est après la crise de 1929, donc ce sont des petites communes autrichiennes qui crèvent la dalle, comme tout le monde en Europe. Il y a 60% de chômage, il n'y a plus d'activité, les commerçants crèvent de faim, ils ne vendent plus rien, il n'y a plus de monnaie. Voilà, il n'y a juste plus de monnaie, il n'y a plus d'argent. Et dans ces petites communes, un maire décide, a le culot de décider de créer de la monnaie, de créer des bouts de papier avec lesquels ils payent l'instituteur, le cantonnier, le gendarme, les services publics, ils les payent avec cette monnaie qu'ils créent. Et ils acceptent, c'est important pour que ça marche, ils acceptent les impôts avec cette monnaie-là. Au début, les commerçants ne marchent pas tous, il y en a une partie qui marche, qui disent « ok », il y en a une autre qui disent « non, on ne veut pas de votre monnaie de singe, on ne joue pas le jeu ». Et ceux qui jouent le jeu, très vite, voient les gens arriver, puisque les cantonniers, l'instituteur, tous les agents publics qui ont été payés débarquent. Et puis, le cycle de l'extinction des dettes par la monnaie reprend aussitôt. Et les commerçants qui s'aperçoivent que leurs concurrents sont en train de refaire des affaires se remettent à jouer le jeu aussi. Et ce n'est pas des mois qu'il faut, c'est quelques semaines pour que le chômage disparaisse, Mirette. Alors, des semaines pour question. Que le chômage disparaisse. Ces gens, ils travaillent dans des entreprises qui... ou des, je sais pas, ou ils sont fonctionnaires, ou qui, on les paye dans quelle monnaie leur salaire ? Les fonctionnaires, on les paye avec la monnaie locale, en l'occurrence. Et ceux qui sont dans des entreprises lambda, ils sont payés aussi dans cette monnaie ? Pas encore, pas au début. Parce que... Au début, si tu veux, pour relancer l'activité, si tu veux, cette monnaie qui circule, cette monnaie qui est payée dans les poches des fonctionnaires, les fonctionnaires ensuite la dépensent. Oui. Le fonctionnaire qui a reçu ça, il le dépense pour payer, pour acheter les différents biens des différents commerçants. Alors, entre eux, en circuit fermé, ça fonctionne parce que tout le monde l'accepte de plus en plus. Mais l'État fédéral, par exemple, si la commune doit payer des impôts à l'État fédéral, il l'accepte déjà plus.
Donc on est, ah oui, on non, reste, la monnaie on locale, doit rester au, ah oui, oui, au, la monnaie locale règle les problèmes locaux. Locaux, voilà. Absolument. C'est ça. Il faudra qu'il y ait un change avec le niveau, la monnaie du niveau supérieur, mais c'est déjà bien d'assurer. Alors, à condition que l'État central ne décide pas de l'invalider et de la rendre illégale, parce que le Bitcoin, typiquement, on a toujours peur au jeu. Il y a plein de gens qui osent s'aventurer dans le Bitcoin, mais depuis quelque temps, ça c'est un peu ralenti. Enfin, ça augmente pas beaucoup parce que les gens, ils osent pas s'aventurer dans un no man's land monétaire que tout d'un coup un État ou plusieurs États pourraient invalider. Ils pourraient décider que c'est hors la loi, qu'ils vont arriver avec la cavalerie. Oui, oui, tout dire, à fait. Bon, c'est qui a mis de l'argent là-dedans, parce que nous, c'est ces expériences, ça, c'est pas, on les ramasse, on les saisit. Ces expériences-là prennent fin la plupart du temps. Alors, quelquefois, c'est parce qu'ils en créent trop et donc ça fait de l'hyperinflation, la monnaie vaut plus rien. Donc ça, évidemment, il faut... Mais l'intérêt des monnaies locales, c'est que ça fait... Ça permet une éducation populaire où nous apprenons que c'est facile de créer de l'argent, mais il ne faut pas en créer trop. Donc, ça devient une... c'est une école de citoyenne, hein, de bien réflexion. Bien sûr, et là, moi, justement, tu dis ça... Mais quand elles échouent, c'est surtout parce que les banques les interdisent, les banques centrales les interdisent. Les interdisent, et c'est pas du tout non nécessaire. C'est non nécessaire, c'est pas du tout une fatalité. C'est juste une crapulerie des banques centrales. C'est ça, donc il y a ce risque politique. Et puis après, il faut que ceux qui s'occupent au niveau local primer ces billets, ils soient eux-mêmes intègres. Qu'ils en surimpriment pas, ils ne dévoient pas cette monnaie. Il ne faut pas qu'il y ait de monnayeurs. Voilà, il ne faut pas qu'on ait à l'échelle micro-locale les mêmes travers qu'à l'échelle de la vraie banque centrale qui en imprime trop et qui en photocopie et ça devient du papier Monopoly parce que c'est. À petite échelle, ça peut aussi arriver. Il y a le problème d'intégrité au niveau d'un État, il y a le problème d'intégrité au niveau de la communauté, puis après au niveau de l'individu. Et donc, pour moi, ça ne disparaît pas, ce risque-là, de créer de l'inflation en abusant de cette monnaie. Ça ne disparaît pas, mais il me semble que les citoyens qui ont, dans chacune des villes de France, ou de chacune des villes sur Terre d'ailleurs, parce que ça existe partout, les expériences de monnaie locale, mais les citoyens qui ont bossé sur la question sont tous sensibilisés au risque d'hyperinflation, et le résultat pédagogique des monnaies locales, c'est de faire monter le niveau d'exigence monétaire des citoyens qui savent très bien qu'il ne faut pas en créer trop. Voilà. Donc, à mon avis, le risque, il existe moins dans les zones géographiques où on a travaillé sur la monnaie locale. Où on est peut-être plus contrôlé et plus discipliné, en fait. Peut-être on peut dire un mot de la monnaie scripturale, c'est-à-dire de ce qui est en train de prendre toute la place là, dans la finance de l'ombre et dans les banques. C'est ça. C'est la monnaie de dette. Voilà, parce que vous avez ici, en Suisse... Oui. Un truc formidable qui est en train, plusieurs choses formidables qui sont en train de se passer et dont on devrait s'inspirer, nous, en France. Il y a d'abord une initiative qui s'appelle Monnaie pleine. Monnaie pleine qui sera votée l'année prochaine, je crois. Voilà, et je ne sais pas où en est le débat. Peut-être qu'on pourra. On va peut-être échanger avec nos collègues. Il y a quelques Suisses dans la salle qui vont peut-être nous. Je pense qu'il y a même certains qui sont assez actifs pour défendre Monnaie pleine. Alors, Monnaie pleine, si j'ai bien compris, c'est une requête, enfin, c'est un référendum, c'est un projet, on va poser la question. Un référendum, une initiative populaire. Nous, on appelle ça référendum d'initiative populaire. Nous, on en rêve, vous l'avez. Ici, il faut récolter plus de 100 000 signatures, donc ça, c'est fait, ils ont réussi. Et donc, c'est bientôt en votre position. De demander au peuple, est-ce que vous êtes d'accord pour imposer, pour que la Banque centrale suisse interdisent aux banques commerciales de créer la monnaie. Maintenant, ça suffit de créer ces soi-disant francs suisses qui n'en sont pas, qui ne sont que des promesses de francs suisses, mais qui ne sont pas des francs suisses. La Constitution suisse disant très clairement que la Banque centrale est la seule à pouvoir créer des francs suisses. Exactement, c'est ça l'idée principale. Et que donc, si les banques veulent pouvoir créer de la monnaie, Si les banques veulent pouvoir prêter de la monnaie, il faut qu'elles se la procurent d'abord, comme si toutes les banques deviendraient donc des établissements financiers. Oui. Donc peut-être on pourrait parler un peu de ça. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a des insolents, des impénitents, des irrévérencieux qui se sont glissés dans le conseil, dans l'assemblée des actionnaires de votre banque centrale. Oui, oui. Il s'appelle AAA+. Voilà. Assemblée des actionnaires actifs positifs. Ah, les voilà, je les vois, ils sont au premier rang.
Et ils sont gonflés, ceux-là. Ils sont en train d'interpeller. Oui. Alors, parce que c'est, les gens-là, dans les banques, là, c'est des gens qui sont tous cravatés, en cénacle entre eux, jamais enquiquinés par des importuns. Oui, les assemblées générales, je pense, de la BNS jusqu'ici ont été parfaitement ennuyeuses. Ils ne se frottent pas au peuple d'habitude. Ils ne sont jamais passés d'incident. Oui. Et là, ils ont des trublions qui débarquent et qui leur disent « Mais là, il y a un conflit d'intérêts. Mais là, votre bilan, il n'est pas juste. Mais là, vous n'avez pas payé d'impôts. Et là, normalement, si vous avez fait un bénéfice, il n'y a pas... Normalement, sur la création monétaire, il y a un bénéfice. Et pourquoi il apparaît nulle part dans vos comptes? Parce que si, normalement, il devrait apparaître. Et s'il apparaît, vous devriez le reverser à tous les cantons. Et il leur demande des comptes aussi sur leurs investissements. Hein, parce qu'il leur demande aussi d'être plus transparent sur leurs investissements. Parce que la Banque nationale, elle investit beaucoup en actions américaines, notamment à travers BlackRock. Et puis, tout d'un coup, BlackRock, c'est américain, ça? Américain, oui. Et quel rapport avec la banque? C'est un fonds de gestion auquel la Banque nationale a confié une partie des mandats de gestion. Parce qu'elle se comporte comme centrale. Un fonds sous. Oui, un fonds La Banque centrale suisse a confié à une entreprise américaine. Oui, oui, oui. Une partie de son portefeuille. Une partie de son portefeuille, parce qu'elle a plusieurs gestionnaires. Et elle est comme un fonds souverain. Par exemple, le fonds souverain de Dubaï. Ils ont tous des gestionnaires partout dans le monde. Et BlackRock et ces grandes firmes, elles sont gestionnaires pour plein de fonds souverains de plein de pays. Mais bref, il se trouve que la Banque nationale suisse a investi énormément, par exemple, dans le secteur du pétrole et gaz de schiste américain, sans qu'on sache pourquoi. Elle a investi dans même des micro-entreprises du gaz de schiste américain. Puis on se dit, mais pourquoi? Comment ça se fait? Et puis on va leur demander, moi je ne suis pas dans ce comité, mais pour bilan, je suis allée demander à la BNS, mais pourquoi vous avez tellement surinvesti ce secteur, même les plus petites boîtes et qui sont surendettées et qui ont même fait faillite et ce secteur a perdu beaucoup d'argent et vous avez perdu de l'argent. Pourquoi? Et je n'ai pas vraiment eu de réponse. Donc là-dessus, vraiment, moi je pense que leur initiative, elle est intéressante de dire qu'il faut être plus transparent sur les investissements que fait la BNS. Parfois, elle est surpondérée en actions américaines. Parfois, elle est surpondérée dans Apple ou dans un titre comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a des sites comme Zero Hedge qui, tout d'un coup, vont dire « ben ça, on ne comprend pas très bien ». Mais en fait, en Suisse, il n'y a aucune information qui sort. C'est aux États-Unis que le Trésor y publie les plus gros investisseurs dans les actions américaines et que c'est comme ça qu'on voit que la Banque nationale, elle figure dedans, mais on n'a pas assez de transparence du côté suisse. Ça, c'est sûr. Après, il y a eu aussi des investissements par la Banque nationale dans l'armement et puis là aussi, il y a eu des critiques. Parfois, la BNS en tient compte, mais le plus souvent, elle dit... Nous, c'est nous qui réglons nos décisions d'investissement. Ça nous appartient. On n'a pas trop à tout divulguer, etc. Qui sont les propriétaires de la banque centrale? C'est des actionnaires, mais c'est des simples citoyens? Elle est cotée en bourse. Alors, on peut détenir les actions de la banque nationale. Mais comment? Cotée en bourse? Mais il y a les cotées au bourse. La banque, mais les cantons actions, et les communes. Les cantons, okay, les communes... qui sont propriétaires de la Banque centrale, ça, je peux comprendre. Mais il y a un flottant, ça veut dire des actions qui sont aussi comptées. Il y a une partie. Et que toi, tu peux acheter les actions. Les étrangers peuvent acheter les actions de la Banque centrale. Ça devient totalement délirant. C'est vrai que, dit comme ça, tout d'un coup, c'est vrai que ce n'est pas des institutions qui sont vraiment publiques et nationales. D'ailleurs, pourquoi? Pourquoi ce choix a été fait que les banques centrales soient en main très souvent privées, comme la Réserve fédérale américaine aussi? Elle n'a jamais été en main publique. Oui. Non, mais je pensais qu'en Suisse, c'était différent. Et c'est là où, au niveau gouvernance, ce n'est pas clair, parce qu'on sait très bien que, surtout à l'époque d'Alan Greenspan, ils avaient publié que c'était le gouverneur de la Banque centrale américaine dans les années jusqu'à 2007, je crois, depuis la fin des années 80 jusqu'à 2007 peut-être, mais en tout cas il a eu énormément de contacts avec la Maison Blanche et le Wall Street Journal avait montré toutes les visites qu'il avait fait qui étaient supérieures à tous les autres banquiers centraux précédents. Et donc il y a vraiment des concertations, mais en même temps on ne peut pas dire que ce soit des institutions publiques, donc la gouvernance elle n'est pas claire. Et aujourd'hui c'est vrai que je reviens à la Banque Centrale Européenne par exemple. Je pense que toi, tu défends jusqu'à ce jour le fait pour la France de sortir de l'Union européenne et de récupérer le franc français. Alors j'aimerais t'entendre là-dessus, parce que est-ce que ça apporte un mieux? Moi, j'aimerais qu'on soit réaliste par rapport à ça. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez faire en sortant? D'ailleurs, Marine Le Pen, elle a ce programme, mais je crois que Mélenchon, il n'est pas contre non plus. Hein. Il veut vraiment donner un ultimatum et dire, nous aussi, on n'a pas notre voix sur la politique monétaire. Nous, on sort et puis on récupère, on sort de l'Union européenne, on sort de la Banque centrale et de l'euro. Qu'est-ce que vous voulez obtenir par cette voie-là, vraiment?
Alors là, normalement, si je pars là-dessus, j'en ai pour 8 heures. Donc il faut que je résume. Oui, je sais. Moi aussi, d'ailleurs, mais je ne pouvais pas m'empêcher de te dire, mais oui, bon, oui. Toi, tu parles des monnaies locales. Tu estimes que ça fait récupérer, parfois, ça peut même recréer une économie qui est morte. Ça peut la faire renaître de ses cendres. Mais il y a aussi ce discours que tu as eu depuis des années sur il faut sortir de l'Union européenne et retrouver une monnaie nationale, peut-être le franc français ou quelque chose d'autre, je ne sais pas, mais. Qu'est-ce que tu veux atteindre avec ça ? Alors, il me semble que la souveraineté politique dépend de la souveraineté monétaire et pas l'inverse. C'est-à-dire que si tu prétends avoir la souveraineté politique et que tu as laissé la souveraineté monétaire à un acteur privé qui va décider ou pas de te donner l'argent pour financer tes projets, tu pourras pas décider de tes projets. Tu vas dépendre du bon vouloir de celui qui a gardé le contrôle de la monnaie. Donc, on ne peut pas prétendre être le souverain si on ne contrôle pas, mais contrôler au sens complet, sa monnaie. Donc il faut être capable de créer sa monnaie quand on en manque et de détruire sa monnaie quand on en a trop. Oui, mais nous, en Suisse, on n'a pas plus de pouvoir sur la Banque nationale que vous, vous en auriez sur la Banque de France. Est-ce que vous auriez vraiment du pouvoir sur la Banque de France en tant que citoyen? Pour l'instant, la Banque de France a été créée par Napoléon, c'est une banque privée qui a été créée par... D'ailleurs, il y avait des financiers suisses, il y avait Pergaud, il y avait des financiers suisses qui ont poussé Napoléon pour qu'il crée la Banque de France. Il faut regarder les conférences de Guillemin, c'est la série sur Napoléon qui est une merveille. C'est vraiment... on s'en lasse pas, j'ai dû regarder ça une dizaine de fois. Et là, c'est la numéro 6 qui est dans la sixième conférence de Guillemin sur Napoléon, qui explique la création de la Banque de France. Donc la Banque de France a très longtemps été privée. Et donc on ne peut pas la prendre comme exemple de ce qui se passerait si on sortait de l'Union européenne et de la Banque centrale européenne. Mais ce qui est certain, c'est que la Banque centrale européenne, la façon dont elle a été conçue dans les institutions européennes, est une dépossession politique absolue. Les institutions européennes prévoient que cette banque est indépendante. C'est-à-dire que vous pouvez voter à gauche, à droite, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, on s'en fout complètement. De toute façon, elle n'a pas de compte à rendre. Elle n'est même pas obligée de recevoir les parlementaires. Les gens que vous élisez ne peuvent pas forcer un entretien. Ça veut dire qu'une sortie du système de l'euro, ça passe forcément par une institution qui va contrôler le franc français nouveau, qui va être une institution publique cette fois. Évidemment, évidemment. Et attends, parce que la tenaille européenne, elle ne vient pas que de l'indépendance de la banque. Elle vient aussi de sa mission. C'est-à-dire que dans les mêmes textes est instituée la mission unique. Ils disent prioritaire. C'est-à-dire que c'est la lutte contre l'inflation. Or, si quand on lutte contre l'inflation, on le paye en chômage, quand on dit la mission centrale, prioritaire, principale de la Banque Centrale Européenne, c'est la lutte contre l'inflation, en fait, on est en train de dire la mission de la Banque Centrale, c'est l'augmentation du chômage. Alors c'est sûr que ce serait moins vendeur de dire ça, mais c'est ça que ça dit, Sandy, c'est complètement. Si tu veux le mettre dans la Constitution, parce que c'est dans la Constitution européenne, ça s'est mis dans un texte qui nous est complètement inaccessible. Modifier les institutions européennes, ça se fait à la triple unanimité. Il faut réunir trois fois l'unanimité des 28 pays, enfin 27 s'il n'y a plus l'Union, s'il n'y a plus la. C'est clairement plus à la portée des citoyens nationaux. C'est inaccessible, c'est-à-dire qu'on peut plus y toucher. Et donc monter la politique monétaire chômagène. Oui. Le chômage étant un outil de domination. Le chômage, c'est un outil de chantage. Avec le chômage, les patrons se garantissent un niveau bas de salaire, comme je disais tout à l'heure, parce qu'avec un bon chômage, on terrorise les salariés qui ont peur de perdre leur boulot et qui donc ne réclament pas des salaires, acceptent que les salaires restent à l'identique alors que les prix montent, donc ce qui veut dire une baisse de pouvoir d'achat. En ce moment, l'inflation en Europe, elle est très très faible encore. Ils n'ont pas réussi à la ramener. La Banque Centrale Européenne n'a pas ramené de l'inflation aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, d'accord qu'il n'y a pas d'inflation. Oui, mais et ça se paye avec un chômage de masse. Chez nous, on est à 20% de chômeurs. Oui. Oui. Donc c'est, on ne peut pas en sortir. C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne n'ayant pas comme mission le plein emploi, oui. Elle nous condamne au chômage et ça fonctionne. Donc le truc fonctionne, il ne faut pas dire qu'il est en panne. Mais je crois que la Banque Centrale Européenne, comme elle copie tout ce que fait la Banque Centrale Américaine, elle a récemment introduit aussi la mission de relancer l'économie puisque c'est ce qu'elle essaye de faire. Ouais, ça c'est parce qu'il voit qu'aucun autre gouvernement de l'Union ne le fait. Les gouvernements nationaux ne le font pas. Donc il n'y a que Mario Draghi en gros qui le fait. Ouais, mais Mireille, qui essaye. Il le fait juste parce qu'il sent que bientôt on va le mettre sa tête au bout d'une pique. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ils se disent là, notre vie est en danger, on va quand même la
lâcher un peu de lest. Il nous parle d'hélicoptère monnaie, il nous parle de... Ouais, ok. Il veut endetter juste au maximum les populations. N'oublie pas que dans les institutions, reste... Pour l'instant, les institutions européennes, vous n'y êtes pas, il ne faut pas y entrer dans l'Union européenne. J'ai quelque chose à dire là-dessus après, parce que mes collègues sont d'accord avec moi, mais il ne faut pas... Tu as compris sur le... Oui. J'ai 10 arguments contre l'Union européenne. 10 arguments. 10 arguments, massue, il suffit d'un comme ça. Non, mais j'ai pas besoin. D'accord, non, alors. Parlons simplement de la politique monétaire. Simplement, ce fait-là, le fait que l'Union européenne nous condamne au chômage de masse... Mais bon sang, le fait que ça nous condamne au chômage de masse, mais il faut se barrer vite. Enfin, d'accord. Ça suffit. Est-ce qu'on peut faire le scénario de la France qui sort de l'Union européenne, qui récupère le franc français? Déjà, le moment de la sortie, le moment lui-même, parce que tout est très complexe en économie, et ça, je pense que Marine Le Pen, si elle est élue, elle va le réaliser, ou même Jean-Luc Mélenchon, qui est sera moins probablement au deuxième tour quand même. Hein. Mais je veux dire, quand ils vont vraiment s'y mettre à entamer la sortie, c'est pas comme l'Angleterre. Eux, ils doivent aussi sortir de la monnaie. Les Français vont devoir aussi sortir de la monnaie. Déjà, au moment où les rumeurs vont venir que un candidat qui va être élu et qui est pro-sortie de l'Union européenne va être élu, probablement, il y aura déjà des retraits massifs de capitaux qui vont commencer. Donc, si la France veut les éviter, elle doit instaurer un contrôle d'échange, contrôle des capitaux. Évidemment. Voilà. Alors, elle doit faire comme la Chine, elle doit mettre un contrôle des capitaux en place. Mais comment comme la Chine, mais comme la France, il y a 40 ans. Enfin, tous les pays ont un contrôle d'échange. Enfin, tous les pays dignes de ce nom. Hein, ceux qui n'ont pas de contrôle d'échange, c'est les pays suicidés, enfin, gouvernés par des traîtres. Oui. Exactement. Immédiatement, il y a aussi des fonds spéculatifs qui vont spéculer sur une dévaluation phénoménale, puisque c'est le but. Mais notre monnaie, elle n'est plus à vendre. Non, le problème, alors c'est que comment ce serait une monnaie qui ne serait pas... Il y aura des titres cotés en francs français sur le marché des capitaux, ou bien il n'y aura plus de marché des capitaux. Il faut renoncer au marché des capitaux. Mais à ce oui, enfin, si quoi cas, que ce soit en francs français est coté, il va être abattu par les spéculateurs qui vont tout de suite parier sur la dévaluation et vont tous faire le même pari, et ça va être... trade du siècle. Là, je ne veux pas être trop financière dans le sujet, mais c'est vrai que c'est un facteur qui est immense quand même dans l'affaire. Là, il y a une situation où un George Soros va dire « Ouais, je vais de nouveau pouvoir faire le grand coup que j'ai fait avec la Banque d'Angleterre en 92, là. Je vais pouvoir refaire un coup sur le franc français aujourd'hui. Je vais le parier à la baisse. Je vais mettre 10 milliards sur la baisse du franc français. » Mais Mirette, je te renvoie à la question, Mirette. Est-ce que ça te paraît normal que la monnaie se vende et s'achète comme une marchandise? Ah ben non. La monnaie, je te rappelle, je disais tout à l'heure, qui est notre fluide vital. C'est-à-dire que si notre monnaie, notre très précieuse monnaie, c'est-à-dire c'est l'objet dont nous avons vitalement besoin parce que nous ne sommes plus capables de vivre sans les autres. Donc nous avons besoin des autres, donc on a besoin de monnaie. C'est pas quelque chose qui devrait être une marchandise sur les marchés des capitaux. C'est invraisemblable d'avoir mis ça comme une marchandise, d'avoir laissé vendre comme des tapis notre monnaie. C'est une connerie sans nom, enfin une trahison sans nom. Voilà. C'est une félonie, non ? Donc ça veut dire qu'il faut vraiment retirer la dette française du marché des capitaux et aller jusqu'au bout. Non, la dette, mais en plus, voilà, la dette, c'est une autre félonie, une autre trahison. C'est par là, à la dette qu'on spécule sur la monnaie. Mais la dette, Mirette, État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin. Il la crée. Oui. Un État digne de ce nom. Oui. L'idée de dette publique, c'est un oxymore. C'est un signe de trahison. Nous ne sommes endettés que parce que nos représentants, enfin soi-disant représentants, qui sont les représentants des riches, élus par l'époque, chez nous, ça passait 74. Les premiers budgets en déséquilibre, c'est 74, c'est Giscard d'Estaing, sous Pompidou. Et donc le fait de voter des budgets en déséquilibre chaque année pendant 40 ans a créé un truc invraisemblable qui s'appelle la dette publique. Voilà. Parce qu'en même temps qu'ils ont fait ça, ils se sont interdits intellectuellement, avant de se l'interdire légalement, avant de se l'interdire constitutionnellement dans les institutions européennes. Article 104 de Maastricht, 123 de Lisbonne, l'État ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale, il doit emprunter auprès des marchés financiers. Mm-hmm. Cette saloperie-là, ce 123 de Lisbonne, le diable a un nom, 123. Ouais. 123 de Lisbonne, plus les budgets en déséquilibre, l'État a besoin d'argent et il ne peut pas créer l'argent, il doit l'emprunter au marché financier. Nos représentants de gauche, entre guillemets, ils sont tous de droite dure, ou de droite, tous nos représentants ont voté des budgets en déséquilibre, donc ont fabriqué de toutes pièces la négation de l'État souverain, la négation de la nation. C'est ça.
Et donc, mais la dette, on s'en contrefou. Alors, le gouvernement aura besoin souverain. De capitaux de dette, il va l'emprunter auprès de qui? Mais on ne va pas l'emprunter, on va le créer, Mirette. On va le créer. Alors, qui va le détenir? Alors, est-ce que oui. je vais décrire un... Oui. J'ai commencé à faire un schéma, mais ce n'est pas encore clair. Je voudrais... Oui. Je vais essayer de te le décrire. Oui. Et puis, tu vas me dire... Mais ça finira en schéma, ce truc-là. D'accord. Pour l'instant... Ce n'est plus l'État qui crée la monnaie. L'État crée, tu sais, 10% de la monnaie. Le, oui. le plus gros de la monnaie, enfin des signes monétaires que nous échangeons, c'est de la monnaie scripturale. Mm-hmm. C'est de la monnaie qui apparaît à l'occasion des crédits. Quand une banque prête de l'argent, elle ne l'a pas. Elle écrit à droite de son bilan « Je dois 100 000 à cette personne à qui je suis en train de prêter ». Donc, elle crée de la monnaie. Et de l'autre côté, elle dit « Lui me doit 100 000, la même somme, mais plus tard. Je lui dois tout de suite, c'est la monnaie. Et en contrepartie, la contrepartie de la monnaie est à l'actif. Il me les doit plus tard. Okay. » Et puis, donc, la monnaie apparaît quand il prête, quand les banques commerciales prêtent. Et la monnaie disparaît quand les banques quand on rembourse voilà. les commerciales. Et donc, c'est partout. C'est partout sur Terre, je crois. Hein, vraiment. Donc 90% de la masse monétaire, oui. presque toute la masse monétaire, et ces salauds essayent de faire que ce soit 100%, ils essayent de se débarrasser de la monnaie, la vraie monnaie, la monnaie banque centrale, les billets, les pièces. Donc presque toute la monnaie est faite de monnaie scripturale. Et les États se sont interdits, s'étant interdits de créer la monnaie et la créant de moins en moins, sont obligés de se financer auprès des banques commerciales. Et de prélever l'impôt. Mais si tu veux, dans l'esprit des gens, on dirait qu'en ce moment, quand un État a besoin d'argent, il faut d'abord qu'il se le procure en impôt ou en empruntant auprès des banques commerciales pour ensuite... Écoute bien le sens dans lequel ça va. C'est première opération. Oui. Et à mon avis, c'est la numérotation qui doit changer. Mmh. Je prélève des impôts. Deux, éventuellement, je prends j'emprunte auprès des banques commerciales. Et trois, je distribue, je dépense des services publics, je construis des autoroutes, je rends mes services publics. Voilà. Et j'essaye d'équilibrer mes comptes. Si je n'y arrive pas, je suis obligé d'emprunter encore aux banques commerciales. Mais ce paradigme-là, qui fait que l'État est d'abord demandeur, il n'est pas du tout le seul possible. Je t'en suggère un autre et tu me dis ce que tu en penses. Imagine qu'on... imagine qu'on soit le souverain et que nous instituions une puissance publique qui crée l'argent quand elle dépense. J'ai besoin de médecins dans mes hôpitaux, ce sont des fonctionnaires, et les fonctionnaires et les médecins créent de la valeur, évidemment. Et donc, j'ai besoin de médecins. Quand je les paye, je crée la monnaie nécessaire pour les payer. Je crée la monnaie pour l'investissement et le fonctionnement. Imagine ça. Je la crée à partir de rien. À partir de rien. Attends. Oui, ça dévalue la monnaie, non, c'est inflationniste. Non. Oui, mais attends, on va voir après. Parce que tu vas voir que je le détruis aussi. Hein. Oui, parce que sinon, tout le monde l'aurait fait. Oui. D'accord. Après, tu vas détruire la monnaie. Je ne suis pas sûr que tout le monde l'aurait fait, justement. Attends, justement. Oui. Parce que tu vas voir que c'est des choses qui arrivent déjà. Oui. Ce sont déjà des choses qui se passent. Oui. Déjà, l'État paye des profs, des juges, des policiers, des médecins, des infirmières. Déjà, l'État fait ça. Avec les recettes fiscales. Mais regarde dans l'ordre. Dans l'ordre, comment ça se passe. Oui. Là, pour l'instant, l'État crée la monnaie quand il paye ses services publics. Et il va l'accepter en impôt, c'est la seule monnaie qu'il va accepter en impôt. Il détruit la monnaie quand il perçoit l'impôt. D'accord, mais l'impôt ne peut pas couvrir toutes les dépenses de l'État, l'impôt à lui seul, sinon ça va être des impôts extrêmement élevés. Mais ça dépend. Oui, après, j'aimerais juste dire qu'on va prendre beaucoup de temps pour échanger après avec la salle. Oui, c'est sûr ça. Hein, Étienne. On va juste finir quelques instants et après, on veut passer beaucoup de temps avec vous. Alors, restez avec nous. Mais ça, c'est un point important, Mirette. Oui. Je reprends. Imagine un État. C'est un truc super important, ça. J'en ai pas encore beaucoup parlé. Oui. Je suis content de pouvoir le voir avec toi, ça. Oui, oui. Parce que c'est vraiment une alternative, ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un État affamé, qui doit trouver de l'argent partout pour financer des choses essentielles, des médecins, nous manquons de médecins. En France, on est en train de détruire des hôpitaux partout. Parce qu'on n'a pas assez d'argent. C'est totalement débile. Ici, le canton de Genève aussi. Alors, imaginons plutôt. Donc, je change de paradigme. Oui. C'est-à-dire, je mets dans la numérotation des séquences, j'institue une puissance publique, souverain, citoyen, j'institue une puissance publique à qui je donne le pouvoir de création monétaire pour financer tous les services publics dont moi, citoyen, j'ai besoin. D'accord. Et donc, il va, quand il a besoin de financer les services, il crée l'argent. Sans limite. Il crée autant qu'il a dans besoin. Dans la limite de l'intérêt général. C'est-à-dire que s'il y a des choses à faire... C'est potentiellement illimité, on est d'accord. Ben, la limite, c'est que tout le monde ait du boulot. Je peux créer autant que je veux. Ben, quand tout le monde a du boulot, on arrête. Quoi, hein, parce que tu vas voir que le bout du bout, je reviendrai tout à l'heure, mais je vais déjà le dire, le bout du bout, c'est-à-dire l'enjeu de ça, c'est que ça rend potentiellement l'État employeur en dernier ressort. C'est-à-dire que si je donne à l'État cette possibilité de créer la monnaie à chaque fois que j'ai des besoins publics, un bien commun, quoi, j'ai besoin de gens pour le bien commun, je peux donner du boulot à tout le monde, puisqu'il y a...
mille choses à faire. Et donc, il y aurait plus besoin de prélever des impôts, du coup, parce que... Pourquoi, alors ? Si, si, j'ai besoin de prélever des impôts. On n'a qu'à tout créer en monnaie, alors ? Non, non, j'ai besoin des impôts pour détruire la monnaie, pour qu'il n'y en ait pas trop. Non, mais j'ai besoin d'impôts. Mais regarde l'ordre dans lequel ça se passe. Si la puissance publique a le pouvoir de créer de l'argent à chaque fois qu'il y a des... Ça, c'est le... En fait, l'initiative monnaie pleine qu'on va voter en Suisse, c'est à peu près ce que tu es en train de présenter ça là. Ça va donner à votre banque publique... C'est ça, tout à fait. Mais oui, l'initiative monnaie pleine, elle va donner à votre banque publique le pouvoir de créer la monnaie. De créer pour des projets d'investissement. Mais pour tous les projets, et à ce moment-là. Parce que, c'est ce qui est prévu. Si tu crées de la monnaie en la donnant à Goldman Sachs, qui n'en fait rien, ou qui va s'acheter des Porsche, ou je ne sais pas quoi, la façon dont tu crées la monnaie va être inflationniste ou pas, suivant la personne à qui tu le donnes. Si quelqu'un est au chômage, il voudrait être médecin, et il n'est pas pour l'instant, et nous avons besoin de médecins, tu le payes pour... Donc, tu crées de la monnaie pour le rendre médecin, c'est absolument pas inflationniste. Tu as résorbé ton chômage et tu n'as pas créé d'inflation. Ce gars-là, tu lui donnes de l'argent, mais lui, il crée de la valeur en même temps. Donc ça, c'est pas... Tu n'as pas créé de rareté quand tu fais ça, parce que tu lui donnes de l'argent, mais lui, il crée des richesses. Parce que la quantité que tu vas créer, elle doit correspondre vraiment à la capacité de la population à créer des richesses. Si elle est supérieure, c'est inflationniste. Si elle est inférieure, c'est la monnaie. Ce qui est inflationniste, c'est donner de l'argent à des gens qui ne travaillent pas, comme les banques, par exemple. Mais par exemple, si tu... Mais si tu donnes de l'argent à des médecins, des infirmiers, des gens qui construisent des transports en commun que tu as rendu gratuit, parce que si tu les payes, toi, avec de la création monétaire, tu n'as plus besoin de faire payer le service public, etc. Et donc, c'est de l'investissement. Mais il n'y a pas de dette. Il n'y a plus de dette. Un État endetté, c'est un État trahi. Alors, question, il y a aussi une autre possibilité, c'est que la dette, là, ce qu'on appelle la dette, se soit détenue par les citoyens. Ça veut dire, moi, citoyen, j'ai toujours un portefeuille de participation dans la dette du gouvernement. Ça veut dire, moi, je prête toujours à mon gouvernement. C'est citoyen, ça devient un acte citoyen, un devoir citoyen, d'investir dans la dette du gouvernement. Ça fait que je détiens, ici, ce seraient des bons de la Confédération qui seraient dans les portefeuilles de tous les Suisses. Une partie de leur épargne serait obligatoirement attribuée à ça. Et en France, ce serait si c'est des francs français, bons du Trésor français. Voilà. Ça me paraît ça me paraît tout à fait normal. Parce que tout le but, finalement, c'est que cette dette, elle ne soit pas ballottée sur les marchés des capitaux à la merci des investisseurs internationaux qui sont en partie aussi des spéculateurs qui peuvent vouloir vraiment mettre à terre une dette. Donc, toi, ta proposition, elle est complètement révolutionnaire parce qu'elle va complètement modifier la comptabilité nationale. Mais on peut aussi imaginer une dette prélevée. Tu as une partie prélèvement d'impôts, qui est la partie revenus, et une partie dette contractée auprès de plupart de tous les épargnants d'un pays. Il y a une bonne partie de la dette qu'il est hors de question de payer. Il faut faire un audit de la dette. Mais toute la partie de la dette qui est liée aux grandes banques d'affaires, ils peuvent aller se faire voir. Ils n'en verront plus jamais la couleur de leur argent. Les petits... Ça veut dire qu'eux, ils ont prêté cet argent, puis on va leur dire on fait défaut dessus. Ah oui. Et puis alors ils vont venir saisir on a quand même le contrôle de la police. Il va falloir qu'ils viennent avec des tanks ennemis, c'est ça Peut-être... je sais pas, alors il faut faire la guerre, alors. Oui, mais... On est quand même un état de droit, puis on ne va pas dire vous êtes trop salaud, on vous repaye pas. Vous avez investi dans vous avez prêté de l'argent, mais on vous envoie balader. Mirette, ça fait des millénaires que tous les 7 ans, 40 ans, on remet les dettes à plat, on dit aux créanciers cette fois-ci, là on arrête. On arrête parce que sinon on vous tue. C'est bientôt nous qui allons mourir. C'est des périodes de grandes guerres, souvent. Non, quand justement, il y a des dettes qui sont effacées. Pour éviter la... c'est-à-dire qu'en fait, les peuples, il y a un moment où ils sont tellement étranglés par la dette qu'ils commencent par étrangler les créanciers. Comme ça, ils survivent. Oui, c'est un bon moyen. Il faut se surendetter, puis après, il faut étrangler les créanciers. Je m'excuse, je suis un peu sarcastique. Mais Quelque part, celui qui contracte la dette, moi, je suis pour l'absence de dette, en fait. Je suis contre l'idée de dette. Je trouve qu'un gouvernement qui se surendette et puis qui est indiscipliné, qui ne sait pas gérer ses finances, et puis à la fin, il dit je vais faire défaut, je veux qu'on m'efface ma dette, c'est un très mauvais exemple parce que moi, au niveau individuel, je peux aussi faire ça. Puis après, je dis ça m'embête de rembourser. J'ai utilisé tout cet argent pendant toutes ces années, puis maintenant, je n'ai pas envie. On m'efface, on me pardonne ma dette, et sinon, je vais envoyer
mes gardes oui, du corps, ou je ne sais pas qu'est-ce que je vais bien faire. Bien sûr, je vais tirer sur tout ce qui... Évidemment, c'est facile, c'est facile ouais. d'emprunter d'abord et puis de jamais rembourser. Mais il n'est pas question de ça, là. Quand c'est la puissance publique, oui. C'est une extravagance d'avoir conduit une puissance publique à emprunter. Un État digne de ce nom n'emprunte pas. Voilà. Donc, ils auraient dû dépenser de ce nom produit la monnaie dont avaient. Il a besoin. Ils auraient dû dépenser les revenus qu'ils avaient, les revenus fiscaux qu'ils avaient. Oui, bien sûr. Et, pas et c'est une crapulerie de ne l'avoir pas fait. C'est une crapulerie d'avoir voté les budgets en déséquilibre. On et devrait surtout, pas il faut pouvoir pas coter, il ne faut pas coter la dette sur les marchés internationaux, quoi qu'il arrive. Là-dessus, je crois qu'on est tout à fait d'accord. Mais, oui, non, mais l'idée même de dette publique est inimaginable. Mais Mirette, souviens-toi, on en avait parlé la dernière fois. On avait bien souligné que la dette publique est un outil de domination qui a bien été sûr. Testé dans les ouais. pays pauvres. Ouais, ouais, et que, ouais. Tu te souviens, on avait parlé des, je crois qu'on avait parlé des assassins financiers. Des restructurations. Des assassins financiers, des gens de la CIA qui vont voir les responsables des pays pauvres et qui les convainquent de construire un immense barrage ou une centrale nucléaire. C'est le FMI qui a fait des programmes de restructuration. Alors, le FMI vient après pour prêter. Mais d'abord, il y a des gens qu'on appelle les assassins financiers qui viennent convaincre. Oui. Alors, en leur promettant des avantages et puis des intimidations. C'est ce qu'on appelle donc, les réformes structurelles des années 80. Et alors, ce qui va venir après, si les chefs d'État ont accepté de construire des barrages, de construire des grandes infrastructures qui sont hors de prix pour le pays, oui. accepter de s'endetter. Après ça, le FMI vient pour obtenir toutes sortes de réformes structurelles en échange de voilà, mais de maintenant l'aide on parle des alors les gouvernements mais... occidentaux. Pourquoi on ne revient pas à l'origine de ce surendettement? Parce que avant 2007, je veux dire les dettes occidentales, c'était pas un sujet. Je veux dire, ils avaient 60% de dette, certains étaient encore notés AAA, etc., sur les marchés. Et maintenant, ils ont quand même opéré des sauvetages massifs de secteurs financiers privés pour en arriver là. Et c'est là que le problème s'est déclaré. Moi, je trouve que il avait commencé avant quand même chez toi aussi, avant je crois. Hein. Il s'est aggravé là, mais vous aviez déjà une dette publique avant 2008, non ? Très peu. En Suisse, où la Suisse, elle a moins de 60% du PIB, même aujourd'hui, hein. Ce n'est pas du tout un problème. Attends, 60% du PIB de dette publique ? De la Suisse, oui, oui. Mais ce n'est pas rien du tout, c'est énorme. Attends, je répète. Un État ne devrait pas être endetté. Non, tous les autres gouvernements, ils ont plus de 100% du PIB. D'accord, mais un excès, la Suisse, elle est exemplaire. C'est rien, je veux dire. Aujourd'hui, quand on a 60%, c'est rien du tout. Et c'est vraiment minuscule. C'est exemplaire parce qu'on a ici, on a le frein à l'endettement qui fait qu'on n'a jamais... La dette suisse, elle est de 16% du PIB. Sur 600 milliards. D'accord, oui, pardon. Alors, on va vérifier ça, mais il me semble que c'est un peu plus que 16%. Non, non. Non, non, c'est plus que 16%. La Confédération... Non, alors, il faut peut-être prendre tout. Les cantons et les communes, c'est 60%. Mais ça reste, sincèrement, hein, c'est assez... c'est dans un des taux les plus bas. Et jusque-là, en fait, quand on est aussi bas par rapport au PIB, il n'y a pas vraiment de problème de dette, de surendettement, de relever les impôts à des niveaux... étouffant pour l'économie, etc. Donc voilà, je voulais juste rappeler ça. Puis dernière chose, te dire le cas de la Suisse. La Suisse, elle n'est pas entrée dans l'Union européenne. Et a priori, vous pouvez la voir comme le pays qui a fait tout juste, qui s'est dès le départ pas mis dans cette galère de l'Union européenne et de l'euro. Mais j'aimerais quand même rappeler, et peut-être pas tout le monde sera d'accord avec moi, mais qu'on a payé un certain prix. Par exemple, quand on avait un secret bancaire, eh bien, l'Union européenne a utilisé des armes très, très hostiles, hein, très fortes contre la Suisse pour obliger la Suisse à renoncer à son secret bancaire. Ensuite, l'Union européenne a aussi attaqué les statuts fiscaux des entreprises en Suisse pour les holdings. Aujourd'hui, nous, on a dû perdre pas mal d'avantages qu'on avait comme îlot préservé, juste parce qu'on est à côté de l'Union européenne et parce qu'on exporte 65% de nos exportations vers l'Union européenne. Et donc, on a payé un certain prix. Aujourd'hui, oui, le secteur bancaire ici, si un banquier suisse veut démarcher et offrir des services financiers aux 300 millions de consommateurs de l'Union européenne, il ne peut pas. C'est protectionniste, là. Il y a une forteresse L'Union Europe. L'Union européenne aujourd'hui. Est protectionniste ? Bien sûr, il y a une forteresse Europe. Je pense que tu es un peu sarcastique, parce que c'est effectivement quelque chose qu'on voit tous les jours. Mais clairement, la Suisse, elle se heurte à la barrière de la forteresse Europe qui lui dit, en substance, tant que vous n'êtes pas membre du club, eh ben, écoutez, mes pauvres amis, vous n'avez pas accès au marché des services, à notre excellent marché de 300 millions de consommateurs. Là, vous ne l'aurez pas.
Mais comment vous n'avez pas accès ? C'est-à-dire que vous, c'est interdit ? Que nous, c'est quoi ? C'est les taxes ? Depuis la Suisse, légalement, on n'a pas le droit. Les traités nous interdisent. Je veux dire, on n'a pas le droit, nous, d'aller démarcher sur sol européen des clients. Parce qu'ils disent que c'est... Ce serait que c'est de la fraude fiscale ? Oui, ce serait de la fraude et puis ce serait illégal. Ce serait vraiment illégal. Et donc, oui, et on a compris. Et puis ensuite, la Suisse s'est dit, oui, mais si on fait des concessions, si on renonce au secret bancaire, ils vont quand même nous laisser avoir accès à ce marché. Pas du tout. Aujourd'hui, il devient clair et évident que tant qu'on n'est pas vraiment dans l'Union, voilà, il y a des choses que la Suisse, elle n'obtiendra pas. Je dis juste ça en passant parce que la France, elle va aussi énormément dépendre économiquement du reste de l'Europe. Le jour où elle sort, eh bien, il y a des choses, des avantages qu'elle ne pourra plus avoir avec l'Allemagne, avec l'Italie. Voilà. Il faut juste tenir compte de la complexité des choses et que ce n'est pas juste on va sortir, youhou, on va devenir un îlot de prospérité avec le franc français qui va être une monnaie forte, solide, et puis le gouvernement qui va se désendetter et la France qui va éliminer tout son chômage. Si simple que ça. Ah non, pas simple du tout. On est d'accord. Pas simple du tout, ça va même être probablement très douloureux. Mais à mon avis, le gars qui va être élu avec ce programme-là, juste après être élu, la première chose qu'il a intérêt à faire, c'est un référendum pour dire, est-ce que on va en chier pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans peut-être. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes bien sûr que vous êtes, on y va, on est d'accord, de façon à avoir son peuple derrière lui, quoi. Mm-hmm. Et bien sûr qu'il a, on y va et on en sort et on va serrer la ceinture pendant un moment parce que ça va être plus dur. Parce que s'il gagne ce référendum et qu'il a son peuple derrière lui, tu vois, si, à mon avis, quelqu'un qui est un vrai populiste digne de ce nom, parce que pour moi, ce n'est pas un gros mot du tout, c'est un beau mot, populiste, hein, c'est quelqu'un qui défend les intérêts du peuple. Ouais. Et un vrai populiste digne de ce nom, il ne prendrait pas des décisions comme un tyran, il consulterait son peuple tout le temps et pas avec des fausses questions auxquelles on répond que par oui, mais avec les vraies questions à chaque fois qu'il y a un engagement. Ben, pour pas décider à la place des autres, ben, il pose la question. Surtout qu'aujourd'hui, c'est quand même assez facile de procéder à un référendum avec un vrai débat. Je suis contente que tu viennes là sur le populisme. Prenons l'exemple de l'Angleterre. Le Brexit, la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, super, le populisme vraiment à l'œuvre. Quel est le principal ennemi du populisme ? En fait, le vrai auquel on pense pas. Qu'est-ce qu'il y a de populiste dans ce qui se passe en Angleterre ? Ah ben, c'est pas moi qui appelle ça populiste. Tout le monde a dit voilà le parti populiste pour le Brexit. Oui, mais ça c'est populisme au sens des oligarques, là, de tous les employés de banque qui ont acheté les journaux. Alors c'est le populisme au sens anti-système, anti-élite. Disons populisme entre guillemets alors. Voilà. Alors il y a vraiment eu une envie de parti plutôt populiste en Angleterre qui ont un peu monté en puissance et qui ont réussi la séparation. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Qu'est-ce que Theresa May annonce aujourd'hui ? Alors, elle annonce que... Ça va être ultra-libéral, j'imagine, non ? Ça va continuer pire qu'avant. Qu'elle devient ultra-libérale, voilà. Alors, on a le populisme, et après, qu'est-ce qui se passe ? On a le lobbyisme qui vient retoucher le populisme et le transformer. Et on a un exercice qui se transforme tout d'un coup en populisme lobbyé, ça veut dire édulcoré, édité, modifié, retouché. Et alors, Theresa May vient, elle dit, bon, finalement, on avait dit qu'on allait mettre des employés dans les conseils d'administration des entreprises. On renonce, on avait dit qu'on allait demander aux entreprises de dire combien d'employés étrangers elles recrutent, ce qui est controversé, qui est un peu controversé. On renonce à avoir des listes des étrangers que les entreprises recrutent. Donc l'Angleterre, les Anglais en premier, ça, bon, ben, la préférence indigène, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'elle avait encore dit ? Le plafonnement des salaires des dirigeants, on laisse tomber, ça embête trop les compagnies. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déréguler la finance, on va baisser les impôts des entreprises en dessous de tout, les rendre inférieurs aux 20 pays qui concurrencent l'Angleterre. Donc, on va mettre les impôts, alors que nous, ici, on va voter sur la fiscalité des entreprises, d'ailleurs. Elle va les mettre aussi bas que nous, voire plus bas. Vous avez voté sur quoi ? La fiscalité des entreprises en Suisse. C'est demain, la votation, la réforme, tu sais, la RIE3, la réforme de la fiscalité des entreprises. Elle vient, elle dit, nous, on va mettre à moins de 15% l'impôt des entreprises. Et elle vient, tout d'un coup... Elle a échangé son programme contre un programme ultra-libéral classique, tout à fait corporate. Elle a fait semblant d'être populiste pour être élue, et en fait, elle n'est pas populiste du tout, parce que le programme que tu défends, c'est ultra-libéral, c'est le contraire de populiste. Exactement, elle est passée par le filtre lobbyiste, et elle revient avec un programme qui finalement, il n'a rien à voir, parce qu'il est
corporate, il est pour les grandes corporations et pour les grandes entreprises. Et puis voilà, bon, en mais gros, c'est comme Hollande qui dit mon ennemi, c'est la finance, et puis qui ensuite donne des milliers de milliards, donc ça continue. Exactement. Quoi. Voilà. Et Trump, il est arrivé, il a dit moi, je veux nettoyer le marécage, je veux ci, je veux ça. Il a dérégulé Wall Street. Oui, mais... il est à la solde. Oui, il est pour le secteur pétrolier, il est à leur solde. Il est... voilà. C'est pas du populisme du tout, ça. C'est pas du populisme du tout. Au départ. C'est du crapulisme, comme d'habitude, quoi. D'accord. Bon, alors au départ, on fait semblant, si tu veux, on se déguise en populiste. Ben oui, mais non, mais l'élection... Après, au moment de l'élection, il y a des lobbies qui viennent et nous disent, écoute, si tu veux passer la porte de la présidence et le couloir, le grand couloir du pouvoir, eh ben, il faudra d'abord signer et promettre et t'engager à ça. Ensuite, il arrive vraiment, et au moment où il arrive vraiment à la Maison Blanche, au bureau Oval ou bien chez Theresa May à Londres, elle arrive vraiment à Londres au pouvoir, et eh ben voilà, le programme, il est... Il a été filtré, il a été... Mais c'est pas comme ça à chaque élection depuis 200 ans ? Enfin, je sais pas, depuis que le gouvernement représentatif existe, donc, les candidats mentent. Eh oui, mais oui, en fait. On va parler du faux suffrage universel bientôt, j'ai l'impression. Ah oui, c'est vrai. Voilà, non, c'est vrai. Je voulais juste dire que le populisme était... On oublie que derrière, il y a le wagon du lobbyisme qui passe par là, et puis qu'après... Dans une constitution... C'est une bestiole. Oui, un petit scarabée. C'est... j'ai peur. Moi, je suis peureuse. Mais... Parfois, il y a des petits clins d'œil comme ça. Elle est amoureuse. Alors, oui, on est à la fonderie Kugler, là. C'est, ouais. c'est sauvage. oui, c'est vrai. On veut discuter avec la salle, mais alors quelques mots de conclusion, tu veux, dans avant une qu'on constitution on ouvre 1900, les questions. Le lobbyisme serait sûrement criminalisé, comme n'importe quel crime. Quoi. Bon, il en resterait sûrement un peu de tentatives d'influence de nos législateurs, mais on les pourchasserait comme des criminels et il y en aurait moins. Quoi. Alors que là, ils sont institutionnalisés, ils ont pris le contrôle du Parlement européen, comme aux États-Unis. Oui, mais non, ça, c'est parce que nous n'écrivons pas les constitutions. C'est notre faute. Hein. C'est vraiment parce que nous démissionnons du processus constituant. Tu te souviens, 5 ans Oui, bien sûr. Tu te souviens qu'il faut qu'on écrive nous-mêmes notre constitution. Sinon, on ne changera rien. Si on ne change pas la manière de désigner les acteurs, ça va continuer, ça va empirer. Ça finira en camp de concentration. Je suis peut-être pessimiste, mais moi, je vois je vois les travaux forcés qui s'aggravent, l'état social qui devient de moins en moins social, les cupides qui sont de plus en plus cupides. Et donc, mais ça dépend de nous. Je voudrais vous en parler de celui-là. Il y a deux bouquins dont je voulais vous parler avant de donner la parole aux gens. Il y a un très bon bouquin qui vient de sortir de Généreux. Généreux, c'est un gars de gauche en France qui est prof d'éco et qui a toujours été très très clair. Là, il s'appelle, c'est la déconomie, et il démonte les thèses des employés de banque qui parlent à la radio et à la télé tous les jours. C'est remarquable, c'est marrant et puissant. C'est un très bon bouquin. Merci. Et alors vraiment la trouvaille de l'année, je trouve. Oui. Ça, faut vraiment que je pense à vous en parler. C'est un prix Nobel de chimie. Alors, on s'en fout, un prix Nobel. Pas du tout. C'est un cerveau puissant qui, en 1926, donc il y a longtemps, a vu venir la dépression et trouvé invraisemblable, avec tous les moyens modernes qu'on avait, que tout le monde vive correctement, qu'il y a encore de la misère. Et il s'est mis à réfléchir à la monnaie, à la dette, à la richesse virtuelle. La richesse virtuelle étant ce que représente la monnaie étant tout ce que les gens ont fait sans avoir de contrepartie. Je laboure un terrain pour quelqu'un et je n'ai pas de contrepartie en échange. Et ben on me donne la monnaie qui est le signe que j'ai fait quelque chose. Et ça c'est n'a pas droit. Encore été. La monnaie, c'est quand même c'est droit. Un droit. Voilà, c'est un droit sur les richesses produites par la société. Et ce gars-là a écrit un bouquin. Il s'appelait Frédéric Soddy, S-O-D-D-Y. Traduit par un Français qui m'a interpellé à la fin d'une conférence, qui m'a dit « J'ai traduit un bouquin, ça va vous intéresser. » J'ai commandé, putain, je dévore ce truc. Ça s'appelle « Richesse virtuelle et dette ». Richesse, richesse virtuelle et dette. Très ce bien. Livre est incroyable. Ça n'a rien à voir avec les livres d'économie que vous avez l'habitude de lire. C'est un livre de scientifique qui pose les problèmes. Alors, il y a d'abord un exposé assez lumineux sur l'état de la science en 1926, mais c'est très, très utile pour comprendre aujourd'hui des tas de choses en science. Et puis ensuite,
il applique ses exigences scientifiques à la compréhension de la monnaie, et donc il crée un formalisme, donc des dessins pour montrer les échanges de marchandises, les échanges de monnaie, et voir à quel moment ça donc déconne. C'est très didactique alors. Et très didactique. Et à la fin, il y a une série de conclusions sur les banques et sur la folie des banques qui créent la monnaie. Ouais. Et pour lui, c'est une extravagance, et c'est dit avec des termes. Vous allez voir, dont vous n'avez pas l'habitude. C'est vraiment ça. C'est rafraîchissant. C'est un livre remarquable, ça, sur le alors, contester tout, les banques. Finalement, toute notre conversation qui a duré 2 heures, merci à tout le monde d'avoir suivi. Ça converge toujours vers la gouvernance, finalement. Je veux dire, vers l'intégrité au niveau de la gouvernance, au niveau de la démocratie. Et là, quand on parlait du lobbyisme, on se rend compte que si tout travail de tout législatif doit passer par le filtre des souhaits des lobbies. Finalement, on va toujours aller vers des intérêts privatisés et on va jamais réussir à faire passer même des très bonnes idées. Les gens font campagne sur des idées et puis finalement, on va toujours être déçus. Donc le lobbyisme est un sujet que nous aussi, les médias, on doit beaucoup plus mettre en lumière. J'aimerais à ce titre dire que nous, les médias aussi, face à la montée de ce qu'on appelle les populismes, je vois que tu rejettes un peu ce mot, mais nous, on n'a pas d'autre mot pour l'appeler. Ah non, je ne le rejette pas. C'est programme soutenu par vraiment le peuple et la base. En tout cas, voilà, on a un peu réagi comme des Marie-Antoinette, c'est-à-dire les médias, on était là à nous effrayer, de « Ouh, il y a des populistes !» Et puis, au lieu de nous consacrer à réfléchir, par exemple, aux États-Unis, à ce qui s'est passé sous l'ère Bush et Obama, quelles politiques ont été menées, combien de personnes ont été paupérisées, quel est aujourd'hui le paysage socio-économique de ces pays, et ramener toutes ces explications à la montée en puissance de toutes ces droites aujourd'hui, extrême droite parfois, dans certains pays, on est juste là à s'effrayer, à insulter ces populistes, à les ridiculiser, à les traiter justement de Hitler et de tyran et tout. Et on est juste incapable vraiment de faire le travail d'expliquer comment des politiques tout à fait concrètes ont été menées depuis 20 ans, qui ont très, très directement produit des effets sur les populations et créé des votes contestataires qu'on va encore voir et qu'on ne fait que commencer à voir. Donc, moi, j'aimerais dire ça parce que j'aimerais que ma profession soit beaucoup plus autocritique, ne s'assimile pas tout le temps aux élites, à certaines élites, d'ailleurs, parce que toutes les élites sont loin aujourd'hui de soutenir les mêmes politiques et qu'elle fasse vraiment son travail de décryptage. Et pour terminer, je dirais que si on arrive à la solution que le citoyen participe vraiment à la prise de décision, eh ben on peut arriver aussi à des travers de cette prise de pouvoir du peuple qui est qu'aujourd'hui, moi, citoyenne suisse, eh ben je dois étudier des brochures sur la RIE3, mais digne vraiment de fiscaliste professionnel de compagnie à lire, d'audit. Ce qu'on donne aux citoyens à voter est compliqué à lire. Il faut s'intéresser aux intérêts notionnels, aux patent box, à des déductions de toutes sortes. Et est-ce que c'est à la portée de tous? Et donc, finalement, est-ce que je n'ai pas quand même besoin d'être représenté, mais par quelqu'un en qui j'ai confiance, dont l'intégrité, pour moi, ne fait pas de doute? Parce que si moi, je dois, en tant que citoyen, je veux dire, il y a des expats qui viennent ici, ils voient les sujets sur lesquels on vote, ils hallucinent. Ils disent, oh, il y a tout le monde qui doit devenir fiscaliste professionnel pour voter chez vous sur la RIE3. Bon, ben, ça, je veux dire, tout a aussi ses limites et la démocratie hyper participatif qu'on a en Suisse nous demande de faire des efforts et de nous hisser à des niveaux d'analyse qui sont parfois aussi très très ardus. Et il se trouve que beaucoup de gens finalement démissionnent un peu ou vont suivre des figures en lesquelles ils ont confiance parce qu'on ne peut pas tous participer pleinement à la prise de responsabilité non plus de manière réaliste. Voilà. Dans nos conversations, dans les ateliers constituants, on n'examine pas du tout, on n'envisage pas du tout seulement la démocratie directe. On en parle, ça fait partie des options. Et il est souvent question de permettre aux citoyens de voter eux-mêmes leurs lois, mais pas toujours. Il y a des tas d'ateliers dans lesquels on sait bien que la plupart des gens n'ont pas envie de voter les lois, n'ont pas envie de faire de la politique. Et donc, on voit bien qu'on a donc besoin de représentants. Simplement, ce qui va tout changer certainement, c'est de décider nous-mêmes comment nous allons désigner les acteurs, et puis surtout comment on va les contrôler, et comment on va garder la main par des référendums d'initiative populaire ou une participation obligatoire et impérative. Impérative en ce sens que les décisions que nous aurions prises seront prioritaires sur toutes les institutions législatives ou gouvernementales. C'est vraiment à nous d'instituer les représentants qui vont avoir notre confiance. Et
Le tirage au sort est une des parties de la réflexion, mais pas seulement, parce qu'on pourrait imaginer l'élection à condition qu'elle ne soit pas parmi des candidats. À mon avis, ce qui est ultra polluant depuis 200 ans dans le gouvernement représentatif et qui a donné le capitalisme, c'est que la procédure de désignation des acteurs qui a été choisie par les fondateurs de nos régimes, qu'ils ont appelé fallacieusement, fautivement, le suffrage universel. Cette procédure consiste à désigner des maîtres, des gens qui vont tout décider à la place des électeurs, parmi des gens qu'on n'a pas choisis, qui sont choisis par les plus riches et qu'on peut aider, donc vraiment qui permet aux riches d'emporter la décision et sans contrôle, ensuite, pendant l'exercice de leur mandat, sans reddition des comptes, cette procédure-là, elle, à mon avis, elle produit le capitalisme. Elle produit la domination des plus riches parce que, avant, les riches avaient de l'influence, avaient du pouvoir, ils avaient du lobbying sur la monarchie absolue, mais ils n'avaient pas ce droit d'écrire les lois qui existent depuis 200 ans dans les pattes des grands marchands. Et quand les marchands se sont emparés du pouvoir législatif, et donc avec le contrôle de la police, de l'armée, des prisons, enfin de tout l'attirail d'intimidation de l'État, ben ils ont mis en place toutes les règles de droit du capitalisme. Parce qu'avant d'être de l'économie, c'est du droit. Le droit de créer des personnes morales qui ont un capital par action, avec la possibilité de livrer des dividendes et qui peuvent s'acheter les unes les autres, donc avec une possibilité de concentrer le capital. C'est toujours le droit qui a créé les richesses. Sans qu'il y ait aucune limite. Le fait que le salarié soit subordonné à celui qui détient le capital, tout ça c'est du droit. Et ça date du 18e siècle, ça date du 19e, puisque c'était à la fin du 18e. Des États-nations. Et donc, si on change cette procédure, si vous voulez, la courroie de transmission entre la richesse économique et la richesse politique, la puissance politique, c'est le faux suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique. En achetant les journaux, les riches, et puis en finançant les campagnes électorales, les riches mettent au pouvoir leurs débiteurs, et c'est, en changeant ça, on changera tout. Donc il faut qu'on s'entraîne à écrire nous-mêmes la Constitution. Ce serait bien que les gens nous posent des questions, là, mais c'est pas bien qu'on les voit pas, on peut pas mettre de la lumière. Oui, parce que nous, on a les projecteurs, on voit que du noir. Bon, à vous de parler, là, non? J'imagine, alors, à vous de jouer, on a votre discussion.